Cher mobilière, j'ai été tellement content de recevoir un rabais de prime que je n'ai pas été le seul à sauter au plafond. Les bonnes nouvelles, ça se vit à fond. Grâce au fonds d'excédent, nous partageons notre succès avec notre clientèle. Chers fans de basket suisse, bonsoir et bienvenue ici à Genève en direct du Pommier. 19h30, le coup d'envoi de ces quarts de finale de Swiss Basketball League, cinquième opus de cette série à suspense entre Genevois et Montezan. De partout, match décisif ce soir, donc ce sera du win or go home pour Genevois comme pour Montezan. On est à quelques minutes, un peu moins de 8 minutes du début de cette rencontre. On rappelle dans cette série, les Montezans qui étaient menés 2-0, qui ont perdu les deux premières rencontres ici du côté de Genève, mais qui sont ensuite allés s'imposer deux fois au Reposieux, à la maison, avec un Game 4, notamment le match qui vient de précéder celui-ci il y a à peine deux jours, où ils ont semblé dominer tactiquement des Lions de Genève en plein doute sur une troisième défaite d'affilée après celle face à Monté. Il y a eu celle de Coupe Suisse également en finale face à Fribourg Olympique, et puis à nouveau monter en face, trois défaites consécutives. Il y en a eu beaucoup sur cette fin de saison. Le tableau est un petit peu dur, bien sûr. Si on regarde sur le papier les noms présents, on voit Dragan Andrejevic, le coach des Lions de Genève, qui jouira évidemment de bien plus de talent sur le papier que son homologue Chris Tsougaz. Beaucoup d'internationaux suisses, Brian Colon également, des Américains qui là aussi sont bien connus pour certains et qui ont fait les belles heures dans notre championnat. Et de l'autre côté, cette équipe d'underdogs du côté montezan
avec Pascal Choukou, qui a été un vrai, je dirais que ça va être lui un petit peu la clé. Est-ce que les jeunes voix vont arriver à proposer autre chose, un petit peu de small ball, pourquoi pas, pour essayer d'écarter Pascal Choukou qui avait, je sais plus à combien de contres il a terminé sur ce match 4, mais il avait fait preuve d'une défense de tous les instants en étant présent dans la raquette. Donc c'est la clé à mon avis côté Montezan, ça va être l'intensité aussi. Genève, je l'ai dit, est une équipe en plein doute, il va falloir pour les Bors nous faire un très très gros début de match afin de les laisser un petit peu dans cette spirale là. On a vu que sur les dernières semaines ils avaient du mal à relever la tête lorsqu'ils étaient menés. Donc le début de match Montezan à scruter, celui Genevois évidemment également, alors qu'on voit Pascal Choukou dont je vous parlais à l'instant. Et les supporters, superbe initiative du club du BVC Monté-Chablais qui a fait venir un quart de supporters. Ils ont rempli là, ils sont à 50, un peu plus d'une cinquantaine en déplacement. Un jeudi soir à 19h30, c'est beau et à saluer. On embrasse les Montezans. Thomas Fritschi qui n'avait pas joué en première mi-temps et qui avait mis ce tir assassin lors du dernier match. À 3 points, bien ressorti par Pascal Choukou. Et les supporters Genevois qui espèrent évidemment que leur équipe va être capable de renverser la tendance, d'inverser à nouveau le momentum dans cette série. Est-ce que Monté, qui a été quand même très très timide à l'extérieur sur l'ensemble de la saison régulière et qui avait perdu ses deux premiers matchs ici en play-off face à Genève, va être capable d'avoir la même dynamique à l'extérieur? Ça sera tout ce qu'on souhaite aux Montezans. Ce sera nécessaire évidemment pour rejoindre les demi-finales. Ce sera face à Fribourg, que ce soit Monté ou Genève qui se qualifie dès samedi à Saint-Léonard, puisque les Fribourgeois, première saison régulière, ont l'avantage terrain. Et l'entrée des joueurs montésans qui vient de se terminer. Clayton Le San aussi, l'ancien Genevois qu'on voit là-bas tout au bout. Lui aussi, il va avoir des choses à dire, à mon avis, dans cette partie. On l'a vu très très fort, il me semble, sur le Game 2. Et qui a fait mal à cette équipe genevoise. On sait qu'il a une petite bisbille, forcément, depuis le départ, où il a été remplacé par d'autres éléments. On en avait déjà parlé. On voit Chris Chougaz. Et ça va être maintenant l'entrée des Lions de Genève. Devant un pommier quasi comble, les Lions de Genève. Et le premier à rentrer, c'est Boris Bala. Qui est dans une panne d'adresse assez dingue là depuis 2-3 matchs. Boris, ça a passé par lui également, être capable de capitaliser. Il y avait des bons shoots qui étaient pris, mais vraiment une panne sèche d'adresse pour l'international et suisse. Un autre, Paul Gravé, international également, qui rentre pour les Lions. On avait Philippe Charpy également, Mladen Armus. Là, ça va être scruté. Ce duel à l'intérieur, de toute manière, va être très important. Il y a deux big men de chaque côté, les fautes. On va être tout de suite, à mon avis, on va avoir beaucoup de jeux intérieurs sur le début de la rencontre, essayer d'aller provoquer des fautes dans la peinture. Michael Williams, Philippe Ayinga et Brian Colon pour les Lions de Genève. Le public qui donne un petit peu de voix déjà dès le début, dès cet avant-match. Robert Zinn également, Noé Anavir. Je vous le disais, sur le papier, il y a une vraie équipe et des talents. Matt Dentlinger, le dernier à rentrer pour les Lions de Genève. Ils sont fournis, ils ont le magasin très très bien rempli. Alors, c'est pas le dernier. Mais ils ont vraiment du monde en magasin, les Lions, comme je le disais. Et il va falloir absolument pour eux un début de match. Markel Humphrey, le top scorer, la mobilière qui rentre. Un début de match parfait des deux côtés du terrain et notamment défensivement. On se rassemble du côté des Montezans avant de démarrer cette rencontre. Les derniers mots entre joueurs, on fait de la même chose. Chez les Genevois, on est à un peu plus de 2 minutes du coup d'envoi de ce match. Une nouvelle fois, je le rappelle, décisif de partout entre les deux formations. L'équipe qui remporte cette rencontre rejoindra Fribourg pour disputer les demi-finales de Swiss Basketball League avec un début de série dès samedi à Saint-Léonard, 19h30. Le 5 de départ côté Montezan avec Michael Forrest, pas de surprise sur le backcourt. Pour l'accompagner, Steve Robinson Jr., Clayton Le San, Michael Sjoberg et dans la peinture, Warren Williams. 5 habituels, ça avait déjà été le cas lors du match précédent, ça a été le cas pratiquement toute cette série. Il y a des choses qui sont en place et bien établies de la part de Chris Chougaz, le coach grec de cette formation montézane,
qui monte les crocs en play-off. Hein. On les attendait pas forcément à emmener sur un match 5 cette série-là. Chris Chougas qui a montré très que tactiquement il était en place. Et de l'autre côté, on voit le 5 des Lions de Genève avec sur le backcourt Robert Zinn, Boris Bala, Paul Gravé, Michael Williams et dans la peinture Mladen Armus pour accompagner ce beau monde. Ça vous laisse avec du Noé Anabir, Brian Colon, Markel Humphrey en sortie de banc et Matt Denklinger notamment. Il y a une rotation extrêmement fournie du côté des Lions de Genève. Trop ou pas, à vous d'en juger, parce qu'on peut estimer tout de même que certains joueurs ont un peu de mal à trouver leur rythme côté Genevois avec le manque de minutes. Forcément, il faut partager le repas, il faut remplir toutes les assiettes. À voir. En tout cas, ça va être scruté évidemment, cette rotation et ce jeu qui revient ou non, ce jeu collectif, je dirais, des deux côtés du terrain. Va-t-il revenir du côté des Lions de Genève ? Alors en attaque, c'est souvent l'adresse, on en parlait, qui a fait défaut. Mais en défense, sur du jeu à deux notamment et des choses assez simples, ils se sont fait croquer les Lions lors du match précédent. Et c'est jamais bien bon quand on a mené une série comme ça, 2-0, qu'on est dans le costume de l'ultra favori. Alors je m'interromps deux secondes pour vous donner le trio d'arbitres de ce soir avec Slobodan Novakovic, Bosko Stojcev et Massimo Tagliabue. Oula, Tagliabue peut-être. Il m'excusera. Un trio arbitral également qui sera scruté, c'est une évidence. Et donc côté de Lions de Genève, va-t-on trouver les leviers pour inverser ? Je vous le disais, quand on mène dans une série comme ça 2-0, on est les ultra favoris dans cette série en question, forcément de revenir à deux partout, même face à une équipe en difficulté à l'extérieur, c'est un scénario qu'on aurait voulu éviter absolument. Les Lions de Genève qui vont devoir donc faire forcément preuve de caractère pour renverser un petit peu tout ça, retrouver de l'adresse et de la confiance très rapidement sur ce début de match. Alors que ça y est, on va approcher du tip-off de cette rencontre de quart de finale de Swiss Basketball League. Les dernières salutations entre joueurs, entre coach et staff également. Et Mladen Armus, comme lors du match précédent, qui va disputer ce tip-off avec Warren Williams. Côté Montezan. Excellent match à toutes et tous. Allez, c'est parti. Et la première possession, elle sera pour les Lions de Genève. Ballon dans les mains de Boris Mbala. Il va tout de suite fixer Michael Forrest. Il ressort avec Michael Williams. Le bon screen porté au périmètre par Mladen Armus. À nouveau, il vient reposer un petit. On a vu le switch, on a lu. Est-ce qu'il va avoir à l'extérieur les shooters ouverts un petit peu trop tardivement? Mais Robert Zinn hérite du ballon. Il va essayer de poster Clayton Lossam. Non, je ressors sur Boris Mbala. On le disait, l'adresse de Boris dès le début de match. Il va falloir qu'il rentre quelque chose pour retrouver confiance. Et là, il me semblait bien aussi que les appuis de Warren Williams avaient un petit peu, il avait un peu bégayé ses appuis. Notre ami Warren, sur le coup, qui estimait être poussé, mais les arbitres ont décidé autrement. Balle remise de fond pour les Genevois, avec 14 secondes au chrono. Mladen Armus, le main à main avec Robert Zinn. Il va ressortir, il a bien vu Michael Williams, seul à 45 degrés. Ça ne rentre toujours pas pour les Lions de Genève sur ses deux premières tentatives. Mladen Armus, le rebond à la bataille, il a l'avantage sur Warren Williams. Il ressort avec Michael Williams, le petit flotteur et toujours pas d'adresse pour les Lions de Genève. Rebond sécurisé par le top scorer, la mobilière de cette formation montézane, Michael Forrest, qui joue avec Robinson Jr. Tout de suite, on a roulé immédiatement très vite sur l'écran de la part de Warren Williams. C'est bien joué. Pascal Choukou n'est pas là. Et Mladen Armus qui revient très bien en défense. On va revoir ces images à l'instant. C'est même Boris qui lui met de face et Mladen Armus qui justement revient bien en défense, mais bien trop fort. Il est sanctionné. Faute, dommage, parce que là Boris il s'était offert une petite highlight. Mladen en a décidé autrement et donc deux opportunités sur la ligne Warren Williams pour ouvrir le score dans cette rencontre. La première est ratée, deuxième lancé franc. Ah, il en avait raté déjà quelques-uns lors de la rencontre précédente. Il va falloir être concentré dès le début pour les joueurs et pour l'intérieur montezan. Le deuxième rentre et donc 1-0, score de football un petit peu pour démarrer cette rencontre. 1-0 après 9 minutes, les Genevois vont-ils trouver de l'adresse? Ils en seraient
bien ravi à mon avis sur cette possession avec Robert Dean qui installe l'attaque sur demi-terrain. Robinson Junior qui regardait un petit peu au loin, il n'est pas concentré sur le 1 contre 1 et Robert Dean qui se montre agressif. C'est bien joué de la part de l'international suisse. 2-1 pour les Lions de Genève qui prennent les rênes de cette rencontre. La sortie d'écran, c'est Clayton Lesagne qui hérite du ballon posé une nouvelle fois par Michael Sjöberg. On préfère jouer avec Michael Forrest. Dans du jeu à deux encore une fois. Non, il va partir tout seul en 1 contre 1. C'est bien défendu par Boris qui avait les mains qui traînaient au bon moment. Et on est ressorti sur Robinson Junior là en 1 contre 1. Qu'est-ce que c'est dur ce shoot. Et ça va être long en cercle. Bien défendu de la part des jeunes voix. La pression tout terrain de Robinson Junior sur Michael Williams. Les jeunes voix qui gardent quand même le ballon avec Boris Mbala maintenant au poste. Et on partit à l'intérieur sur Mladen Armus. Il a posé prendre le shoot Boris. Il va rejouer Mladen. À l'intérieur, est-ce que main gauche comme ça, bien joué sur la planche, Mladen Armus qui prend l'avantage sur Warren Williams. Des ballons à l'intérieur, je vous le disais en préambule de cette rencontre. Voilà, ça va être encore une fois le cas ici. Il y a un gros duel qui se joue dedans. On n'arrive pas à jouer un contre un. On ressort très bien sur Michael Forrest. C'est bien joué de sa mauvaise main, Michael Forrest qui arrive à être très clair, voyant à la finition. Allez, on le revoit ici sur le premier pas, il prend très très vite de vitesse son vis-à-vis. Mladen Armus ici qui était retourné à l'intérieur et a attaqué Warren Williams. Bien joué de la plane de Mladen Armus. Et on est reparti. Boris Mbala, balle en main pour mettre en place l'attaque genevoise, la sortie d'écran pour Michael Williams. On joue au poste une nouvelle fois, c'est Paul Gravé cette fois-ci qui est envoyé au combat contre Michael Sjöberg. Paul Gravé s'est bien joué, la petite passe, il a vu la bonne coupe de Mladen Armus. Ça aussi, ça va être un vrai atout si les Lions de Genève arrivent à jouer sans ballon, à faire les coupes qu'il faut, parce que ça n'avait pas été le cas lors du match précédent. Et Michael Forrest qui repart à l'avant, c'est bien défendu, c'est Michael Forrest qui a touché ce ballon pour finir. Et Michael Williams, il me semble qu'il avait laissé traîner sa petite main par là, sa petite main gauche. Et c'est même avec la main droite de l'autre côté, bien joué Michael Williams. Ballon rendu aux Genevois qui mènent 6-3 dans cette rencontre. Robert Dean qui hérite évidemment du cuir et qui repart de l'avant pour les Lions de Genève. Le screen posé par Mladen Armus en ressort. Voilà la prise de position. Il y a un vrai combat à l'intérieur avec Pascal Choukou qui vient de rentrer et qui rate ici la réception de ce ballon un petit peu dans le trafic. C'est que c'est pas sa qualité principale de la recevoir dans ces zones-là avec du monde autour. Mais par contre, défensivement, on s'en est bien rendu compte depuis le début de cette série. Et je dirais même qu'il est monté crescendo. Pascal Choukou pose d'énormes problèmes aux Lions de Genève qui doivent impérativement passer par l'adresse du parking. Robert Dean. À nouveau, on appelle les joueurs sans chercher un petit peu. C'est Michael Williams qui va prendre le ballon là pour jouer un pic avec Mladen Armus. À 45 degrés, la passe bien défendue. Pascal Choukou qui traînait par là. Et un ballon toujours genevois avec 14 secondes au chrono. Allez, Robert Dean au poste, joué par Robinson Junior. Robert Dean qui ressort au loin avec Boris Mbala. Boris qui va essayer de jouer peut-être en 1 contre 1. Clayton Lesagne, il prend son petit sidestep et le tir à 3 points. Ça ne rentre pas une nouvelle fois pour Boris. On n'est pas loin, c'est des choses qu'il sait faire. Il n'y a rien à faire. Hein. Quand l'adresse vous échappe, vous avez beau à n'importe quel niveau de basket. Ça peut être terrible, des shooting slumps comme est en train de connaître un petit peu Boris. Mais il y a quand tentant à nouveau sa chance qu'on se rapproche du prochain qu'on va mettre forcément. Pascal Choukou au périmètre pour le BBC Montéchablé. On est déjà reparti avec Robinson Junior. Michael Forrest, Clayton Lesagne ont fait circuler et bouger ce ballon. Un tir à 3 points de 3. Là, il magnifique ce shoot à 3 points de Clayton Lesagne. Pas forcément ultra contesté, mais il avait récupéré le ballon en dessous des genoux là et puis il était assez loin. Bien joué de la part de l'international suisse qui fait revenir sa formation, qui fait revenir les Balls à 6 partout dans cette rencontre. Il reste 6 minutes à jouer au chrono de ce premier quart-temps. Robert Dean avec Mladen Armus joué au périmètre. L'écran de Paul Gravé pour Robert Dean. Pareil en bas sur Michael Williams cette fois-ci. Les courses sont peut-être pas assez intensives du côté des Lions pour se démarquer loin du ballon sur cette possession. Robert Dean, le bras un petit peu écarté, mais on laisse jouer du côté des arbitres. Michael Williams, oh, qui va prendre ce shoot extrêmement difficile. Il était obligé avec le chrono et Pascal Choukou qui se distingue déjà en défense à nouveau avec un contre sur Mladen Armus. Rebond pour les Genevois. Mladen Armus qui vient poser ce pic. À Robert Dean, c'est bien défendu et je crois que ce ballon, oui, a été retouché par Robert Dean une fois l'interception de Michael Forrest. Balle qui va donc être rendue
au Montezan et Robinson Jr. pour lancer cette attaque Montezan, 6 partout donc. Toujours avec cet échec Genevois et Pascal Choukou à 45 degrés, c'est lui qui va faire le jeu. On va avoir un écran loin. Non, c'est Michael Sjöberg finalement à qui on responsabilise de faire tourner le ballon. Michael Sjöberg avec Robinson Jr. Clayton Lesan en 1 contre 1, il a 3 secondes, il va aller la jouer sur Robert Dean. Qu'est-ce que c'est bien défendu, mais Clayton, un shoot énorme une nouvelle fois. Et il offre, il vient de marquer 6 points consécutivement, et il offre un avantage d'une grosse possession sur ce shoot énormissime sur Robert Dean en fin de chrono. On est reparti côté Genevois, le main à main entre Mladen Armus et Robert Dean, qui va jouer au loin avec Paul Gravé. Mladen Armus servi au poste sur Pascal Choukou, il va pas avoir envie de s'y frotter, il ressort avec Robert Dean. Qui fait sauter Pascal Choukou, c'est bien joué. Et voilà, une fois qu'il est venu en aide, quand on a affaire à un géant comme ça, et c'est ce qui a manqué sur le match précédent, il faut faire croquer. Il faut des fondamentaux, pardon, à la finition. C'est le cas de Robert Zinn, bien joué, qui voit ensuite Mladen Armus et Pascal Choukou avec Michael Sjöberg à nouveau. Clayton Lesan, il est chaud, on va lui donner la balle côté Genevois, il va demander un écran. Alors, il lui demande même d'aller le jouer tout seul en 1 contre 1. Il va chercher la faute sur Robert Zinn, qui n'avait pas envie de défendre sur cette possession-là. Robert énormément ciblé, on l'a vu au match précédent par les deux arrières américains, ce coup-ci par Clayton. En défense, on a beaucoup de jouer en 1 contre 1. C'est pas sa qualité première à Robert, mais de l'autre côté du terrain, évidemment qu'il y a du répondant. Balle est remise de côté pour le BBC Montéchappé. Clayton Lesan à nouveau, est-ce qu'il va rejouer un 1 contre 1? Non, il a provoqué le switch avec Mladen Armus sur lui à l'intérieur. Il y avait Pascal Choukou, un énorme mismatch. On a préféré jouer un tir et un shoot du parking et la transition très rapide. Boris Mbala, c'est court mais ça va rentrer, il va lui faire du bien ce panier à Boris. Et une attaque très rapide là aussi de la part des Lions. Des deux côtés, on essayait d'éviter un maximum le demi-terrain et jouer le plus possible en transition, même si jusque là c'est bien défendu pour l'instant par les deux formations. Robinson Jr. et prendre son petit shoot, ça c'est dur mais il sait faire. Non, pas de réussite pour Robinson Jr. et le rebond pour Pascal Choukou du haut de ses 2m19 qui est en train de faire un chantier encore une fois. Lui, il est capable, mais sur ce 1 contre 1, ça ne fonctionne pas. Michael Forrest, 25 matchs lors du Game 3. 25 points, pardon, lors du Game 3. 21 lors du match 4. Et donc une performance obligatoire, forcément, du top scorer, la mobilière des Montezans, pour pouvoir exister dans cette rencontre. Les petites rotations. Mladen Armus, qui avait déjà eu une faute sifflée, qui va sortir pour Matt Dentlinger. Côté Genevois. On a Brandon Kuba qui est là également côté Montezan. Et un 5, on a laissé Clayton Lesan, Robinson Jr., évidemment Michael Forrest. Pascal Choukou attaqué là dans la peinture par Boris. Voilà, une nouvelle fois, un petit fondamental, faire sauter, faire bouger le grand corps de Pascal pour éviter la bâche tout simplement. C'est très bien fait par les Lions de Genève et par Boris Mbala sur le coup. Robinson Jr. Oh, pensez, le spacing n'était pas là. Il y avait quelqu'un là-bas à 0 degré. La balle est déviée de toute façon par un Genevois. Et va être rendu au Montezan avec 13 secondes au chrono. Il n'avait même pas forcément essayé de faire la passe. Bonne défense derrière le step-out. Là, on est venu mettre une très grosse pression de la part des Lions au périmètre. Et Pascal Choukou sur Paul Gravé maintenant. Et la belle coupe backdoor comme ça, ligne de fond de Michael Forrest, bien lu par Pascal Choukou. Et les Montezans qui recollent à 12-11, 3 minutes à jouer dans ce premier quart-temps. Ballon pour les Genevois, le main à main entre Dentlinger et Robert Zinn. L'écran ensuite posé par Dentlinger. Robert Zinn, il s'est seul. Il estimait Robinson Jr. Et j'avais l'impression également à vitesse réelle, à juste titre, que cet écran-là était clairement mobile. Michael Forrest pour les Montezans. On a joué très vite avec Pascal Choukou à l'intérieur par l'intermédiaire de Brandon Kuba qui avait bien lu. Ils utilisent bien les espaces sur la ligne de fond, là un petit peu dans le dos de la défense genevoise, les Montezans pour l'instant. Boris Mbala qui est reparti de l'avant, la belle passe pour Paul Gravé. Du jeu toujours, on en parlait, Paul, les Genevois ont absolument besoin de ça, de toutes ces petites coupes, de tous ces détails qui deviennent une vraie équipe de basket quand ils jouent collectivement et que tout le monde ne fait pas rebondir la balle. Clayton Lesan, le main à main qui a été feinté à la Draymond Green un petit peu là par Brandon Kuba sans réussite, mais finalement c'est Robinson Jr. qui hérite du cuir et qui se permet d'ajouter 2 points au Montezan, 16-15 pour les Lions de Genève. Bien joué, il y a des intensités de deux côtés du terrain pour l'instant et une nouvelle fois un vrai match de playoff dans cette série qui clairement sera le bijou de ces quarts de finale de Swiss Basketball League. Le main à main entre Dentlinger et Robertson qui a pris un écran à nouveau de Dentlinger. Il est donné à l'intérieur ce ballon
pour Matt. Est-ce qu'il va aller attaquer Pascal Choukou? C'est bien joué, ils vont le cibler, ils n'ont plus peur. Ils le font bouger et ça fait 3-4 fois alors que ça a été un véritable casse-tête pour eux lors de ce Game 4. Ils viennent cibler et avoir de la réussite. Pascal Choukou à l'intérieur et de l'autre côté lui aussi se régale. Bien servi par Michael Forrest. Manque de communication du côté des Lions de Genève sur le coup. Là, on était monté à 2, il faut qu'il y ait des aides au loin. La passe laser, la quarterback de Michael Williams, son head keeper qui a pas souhaité rejouer un contre un. Et les sifflets sur Robinson Junior, il me semble. On va la revoir. Sur Robinson Junior, non, sur Clayton Lesan, évidemment, qui était pris sur le premier pas et qui préfère. Qui sortissait de sa place. On va faire entrer Max French du côté et puis on va jouer Big. On a décidé de faire jouer en même temps Brandon Kuba. Ah non, je pensais qu'il restait encore Pascal Choukou. C'est Brandon Kuba. Pascal est sorti et sans boitiller. Aïe aïe aïe, on va surveiller ça. Et de l'autre côté, alors les Lions sont repartis. On se tiendra au courant de cette blessure. Le jeu de quel dunk énorme! Quel dunk, quelle pastille énorme de Matt Dettinger sur Williams. Il est monté. On va vous remontrer ces images. Oh là là, la bête! Il est allé l'enfoncer dans le panier. Un dunk énorme de Matt Dettinger qui avait envie là sur le coup. Et Warren Williams, lui qui a été spécialiste des pastilles sur le match 4, il s'en prend là une belle. Dettinger qui convertit ce N1 et qui offre un matelas de 4 points, 21-17 pour les Lions de Genève. La prise à 2 comme ça, très haut tout de suite sur Michael Forrest. On égrène le chrono du côté des Lions de Genève. On va les faire un petit peu aller loin dans cette possession. Les Montezans, le pic posé là très bien et c'est ressorti à 45. Ça va, non, ça va revenir en tête de raquette et il y a faute. Brian Colon, il est sorti très fort, trop fort et trop tôt même sur Robinson Junior sur cette tentative de l'arrière américain, du meneur américain à 3 points. On va revoir les images. Brian Colon évidemment là qui sort, on le voit bien, on le voyait bien en tout cas à vitesse réelle, qui sort un petit peu fort sur Robinson Junior. Voilà, qui finit complètement en bon. Il vend très bien en plus, mais là il y a vraiment pas photo. Et tu peux pas finir dans le cercle, dans le cylindre de l'attaquant à ce point et en arrivant aussi vite. Robinson Junior prend sa première de 3 tentatives et elle est réussie sur cette ligne de lancer franc qui ramène à une grosse possession les Montezans pour l'instant, qui peut même offrir un retour à un point en cas de réussite sur les deux prochaines tentatives. C'est le cas de celle-ci. 21-19. Il restera ensuite 46 secondes au chrono. Donc grosso modo, deux possessions. Il devrait y en avoir 3 au jeu du chrono à donner encore dans ce premier quart-temps. Est-ce que les jeunes voix vont essayer d'aller loin sur cette possession? On va le voir très rapidement. Les changements, on amène Thomas Fritschi là pour faire une petite mission défensive sur Markel Humphrey sur ces deux dernières possessions probablement. Ryan Colon qui remet la balle en jeu et qui remonte la balle même pour ces Lions de Genève. Au périmètre donné à Matt Dettinger. Ryan Colon qui va ressortir seul à 3 points, il ne prend pas ce shoot. La prise de position et la faute. Voilà, je vous disais, pour venir un peu dans le combat aussi, pour donner des fautes, Thomas Fritschi, c'est moins embêtant forcément que si c'est un joueur qui a plus de minutes dans la rotation côté Montezan. Donc là non, on ne laisse pas Markel Humphrey prendre une position si facile. On avait une faute gratuite à donner. On est maintenant dans le bonus en revanche côté Montezan. Donc s'il y a une faute même en bas, on verra. Les jeunes voient sur la ligne. Allez, est-ce qu'ils vont jouer le 2 plus 1 là, essayer d'avoir la dernière poste, les jeunes voient. Oui, ils l'auront, cette dernière possession, pour une petite seconde et demie, deux secondes. Bien joué de la part de Markel Humphrey qui redonne 3 points d'avance, 23 à 20. 17 secondes au chrono. Et Michael Forrest qui va essayer de la cramer jusqu'au bout celle-ci. Pourquoi pas, pour aller jouer à 1 contre 1 sur Brian Colon. Michael Forrest, est-ce que Noé Anabir va venir aider? Alors ouais, il carry the ball, bien sûr. Et il me semble, honnêtement, à vitesse réelle, encore une fois, que ce call est le bon. On va voir. Ouais, bien sûr, le ballon qui lui échappe et Michael Forrest. Un turnover, donc 5 secondes pour les Lions de Genève. Markel Humphrey qui vient attaquer très tôt là la ligne et qui va aller sur la planche. C'est raté pour Markel Humphrey. Fin de ce premier quart-temps donc. Et 3 points d'avance pour les Lions de Genève dans ces quarts de finale de Swiss Basketball League. Ce match 5 décisif entre la formation Montezane et Genevoise. Et pour l'instant donc ce petit matelas de 3 points du côté des Genevois. Pascal
voit les coachs dispenser quelques petites consignes. On va aller du côté de Dragan Andrijević et des Lions de Genève. Ici en discussion, le technicien avec son groupe. Garder les mêmes ingrédients sûrement pour les Lions, essayer défensivement de faire preuve d'un peu plus de régularité. Ça va à mon avis aussi impacter la rotation. Est-ce que les Lions vont apporter un petit peu plus de défense sur ce deuxième quart-temps? Et du côté Montezan, il n'y a encore une fois pas grand-chose à se reprocher, pour être tout à fait honnête avec vous. Une prestation solide. Il va falloir continuer, rester, être dans le match, ne pas prendre ce gap, ces 10 points de retard éventuellement qui pourraient donner déjà un peu de confiance au Lions de Genève. Faire preuve de solidarité une nouvelle fois. Magnifique pom-pom girl qui nous offre un petit show de fin de carton et dont je n'ai même pas parlé, honte à moi. Alors, on revoit Robinson Junior également avec ce petit toucher du shooter, réussite en cercle. La belle passe de Forrest était pour Choukou. Et aller en s'accrocher là-haut. Markel Humphrey là sur sa main gauche. Et mieux avec l'aide de Brandon Kouba. Finir au-dessus. Et on ramène tout le monde sur le parquet. On va repartir pour un deuxième quart-temps. Et toujours un match de play-off. Encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, c'est un peu le Picasso de ces quarts de finale de Swiss Basketball League, cette série. Des matchs 5, on n'en a pas souvent. Il y en avait eu un l'an passé entre Vevey et De Châtel et c'est toujours un vrai plaisir. Michael Forrest pour relancer avec Brandon Kouba, Maxime Ranch. Michael Forrest à nouveau sur Noël Nabir. Est-ce qu'il va essayer de se lever là? L'arrière américain, le top score, la mobilière Montezan. Non, il préfère jouer Warren Williams. On a vu au loin Maxime Ranch à nouveau responsabilisé ici. Les mains qui traînent de Noé Anabir, c'est bien défendu. Et Brian Colon qui va essayer en transition. Ouf. D'accord, il a préféré la donner. Bien joué au final. 25-20 pour les Lions de Genève. Brian Colon, la galette à l'intérieur, c'est bien joué. Et on ressort tout de suite Warren Williams au périmètre. Avec on ressort pour Michael Forrest. Il va jouer son 1 contre 1 une nouvelle fois. C'est bien circulé du côté des Montezans. C'était arrivé à 0 degré jusqu'à Maxime Ranch par l'intermédiaire de Thomas Fritschi. Mais malheureusement, sans réussite pour Maxime là sur ce shoot un petit peu long. Et donc toujours 5 points d'avance pour les jeunes voix qui repartent avec la gonfle. Brian Colon. On a servi au poste. En tête de raquette, un Matt Denfinger qui va ressortir. Voilà, cette fois au poste, c'est arrivé sur Markel Humphrey. On veut aller jouer Thomas Fritschi à l'intérieur. Il ne peut pas supporter le duel physique. Il s'en plaint un petit peu auprès des arbitres. Thomas Fritschi est sanctionné en tout cas de sa deuxième faute. Il y a les mains. Elle est justement sifflée aussi, cette faute-là de Thomas Fritschi. C'est difficile d'aller tenir. Il y a des kilos d'écart entre lui et Markel Humphrey qui s'échangent des petites amabilités. On l'a pas vu champ caméra, mais je suis juste à côté. Un petit trash talk installé par Markel Humphrey. Nouvelle fois, j'ai l'impression. Robert Zinn sur ce petit step back là, sur la tête de Maxime Ranch. C'est très bien joué de la part de Robert Zinn. Et ça permet au Lyon, on se rapproche de ces 10 points et ce petit mat là dont je vous parlais pour leur offrir toute la confiance dont ils ont besoin. Cruellement, les Lions de Genève. Maxime Ranch qui a bien vu là la coupe de Warren Williams. Il va jouer au loin avec Thomas Fritschi justement qui avait été auteur d'un très gros shoot lors de ce match 4. Ça ne rentre pas cette fois-ci et on repart pour l'écran posé par Noé Nabir. Est-ce qu'il va être sifflé? J'ai l'impression que c'était un... Il va être sifflé à l'encontre de Noé Nabir. Écran mobile là sur cette transition, c'était sur Clayton Lesane qui est bien allé en défense faire la bonne course qu'il fallait là pour offrir un duel. C'était Robert Zinn, c'était Maxime Ranch, pardon. Ouais. Très bien joué de la part de Maxime Ranch, Chelsea. Et ça, ce sont des calls importants, ce sont des choses qu'il faut faire quand on est le BBC Monté Chablé. Tous les petits détails vont compter. Bien joué de la part de Maxime Ranch, Michael Forrest maintenant pour mettre en place cette attaque sur Markel Humphrey. Oh, il va prendre un shot difficile, non, il préfère ressortir sur Warren Williams qui attaque cette fois-ci Markel Humphrey qui avait réduit la distance entre lui et l'intérieur américain Montezan. Faute. Sifflé, on le voit ici, hop, et on prend une petite taloche dans la tête au passage, Markel. Mais évidemment que cette distance est bien réduite et elle va offrir deux opportunités à Warren Williams de faire revenir son équipe. Ça leur ferait du bien déjà, Montezan. Hein. Quand t'es dans un match 5, de toute façon, des deux côtés, hein, je disais un gros avantage des Lions de Genève, mais ce serait pareil côté Montezan.
sur un match 1 comme ça, t'as pas envie, t'as envie que ça soit un match serré, un peu de traînard jusqu'au bout. Surtout quand t'es l'équipe un peu underdog de cette opposition. Warren Williams, est-ce qu'il peut ramener les siens à 5 points? Oui, 27-22 pour les Lions. Possession à venir pour les hommes de Dragan Andrejevic et Robert Zinn pour mettre ça en place. La prise à deux. On donne le ballon à Noé Anabir du coup. À nouveau Markel Humphrey et Robert Zinn. La prise de position de Noé Anabir, elle est compliquée à prendre en bas. Enfin, c'est bien joué la petite coupe de Markel, mais très bien défendu de la part. Colonne se shoot extrêmement difficile. C'était très bien défendu de la part de Michael Forrest qui justement relance les Montezans tout de suite et très rapidement. Maxime Rech, on préfère croquer le chrono et servir une nouvelle fois Pascal Choukou à l'intérieur. Il faut de la concentration, Pascal, sur ce genre de situation. Je vous l'ai dit, la tendance à laisser un petit peu échapper quelques balles dans le trafic. Il a un rôle offensivement aussi à jouer qui est énorme sur cette confrontation. Pascal Choukou, c'était la deuxième et il faudrait pour les Montezans que ce soit la dernière. Noël Abir va attaquer tout de suite, donner à Markel Humphrey. Peu de mouvement loin du ballon, on essaie de servir au poste. Noël Abir qui fait sauter Pascal Choukou et avec sa main gauche il va aller. C'était difficile là d'un peu loin pour Noël Abir. Avec sa main gauche il est en échec. La transition très rapidement jouée par Forrest avec Ranch. Thomas Fritschi, oui, il va prendre ce shoot, il est en confiance. Thomas Fritschi et le poignet levé, il retourne sur son banc puisque Dragan Andrejevic a tout de suite demandé côté Lyon de Genève un time-out. Il ne veut pas laisser plus revenir les Montezans dans cette rencontre qui sont à 2 points. 27-25 donc pour les Lions de Genève et Monté qui est revenu, qui comptait un déficit de 7 points. Qui n'est plus qu'à une petite poste maintenant. 45 secondes pour Dragan Andrejevic notamment. Dispenser des consignes à son groupe. Essayer de faire en sorte de trouver, de distiller, de donner un petit peu de confiance à ces garçons-là. Quand je jette un petit coup d'œil aux feuilles de stats, on peut signaler notamment les 6 points tout à l'heure, les Clayton Lesan qui avait pris ce coup de chauffe avec ses deux tirs très difficiles du parking. Du côté des Lions de Genève, j'ai bien aimé pour l'instant également la prestation de Mladen Armus qui est donné à combien de fautes Mladen? 0. Oh d'accord, il me semblait qu'il en avait une, mais 0 pour Mladen et donc donné à Michael Williams sur ce coup-là. Voilà, une prestation solide également de sa part à Mladen Armus. Et ce duel d'intérieur dont je vous parlais, il en fait clairement partie. Maxime Rech, on revoit là, c'était la bonne défense de Noé Anabir. Ryan Collin en transition 3 qui pouvait finir. Il n'a pas voulu attaquer Michael Forrest. Au final, bien joué. Une petite gorgée d'eau pour Dragan Andrejevic. Qui vit des moments extrêmement compliqués, forcément, sur le banc de ces Lions de Genève qui ont des ambitions. Et malheureusement, pour l'instant, qui n'y répondent pas très clairement. Il est un petit peu au centre des débats, Dragan Andrejevic actuellement. Et peut-être que ce soir, il pourrait jouer son avenir à long terme avec les Lions de Genève. Qui repartent de l'avant. Pour l'instant, un avantage toujours de 2 points. Et donc, ils sont plus proches que les Montezans de se qualifier. Mais croyez-moi, ça va être jusqu'au bout comme ça. Petit match de traînard dont je parlais. Pascal Choukou qui avait déjà mis 3 bâches à Brian Colon lors du match précédent. Une à nouveau. Mais ça suffit pas parce que derrière, ça suit bien du côté des Lions avec Matt Denklinger. 29-25 pour les Lions de Genève. Maxime Rech. On est sifflé au loin. Cette faute, elle est sifflée offensive. Ça va être sur Michael Forrest. J'étais concentré sur le match-up entre Brian Colon et Maxime Rech. Alors on va quand même pouvoir revoir ça, c'est magnifique. Ici on a le match-up, et ça se joue un petit peu plus loin. Est-ce qu'on va le voir là sur l'écran? Non. Ça se jouait un peu plus loin et donc le top score à la mobilière des Montezans, sanctionné probablement d'un écran mobile. Brian Colon et les Genevois qui vont avoir cette possession à nouveau. Et Paul Gravet qui annonce à son bonheur le système à mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Qu'est-ce qu'ils vont nous dessiner, les Lions de Genève, là, sur ce parquet? Brian Colon à 0 degré. C'était pour Paul Gravet qui était venu lui annoncer. Il voulait un shoot. C'est bien joué, c'est bien coupé de la part de Paul. Là, encore une fois, je fais dans un premier temps sauter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un petit coup de sifflet derrière. On va le revoir. Voilà. Je fais dans un premier temps sauter Pascal qui s'arrête sur les appuis, qui lève les bras. Et derrière, je vais couper. C'est très bien joué. Voilà, on le revoit encore ici. Je prends ce petit temps d'avance. Les Genevois beaucoup plus calmes face à la situation que ce qu'on les a vus lors du match 4. Pardon. C'est une très bonne chose pour eux. 31-25, deux grosses possessions d'avance à nouveau pour les Lions. Michael Sjöberg qui rentre à nouveau et qui fait la remise en jeu pour Robinson Junior. Ça
aussi, ça va être une sortie d'écran. C'est Maxime Rage qui prend l'écran de Warren Williams qui va jouer la position sur Paul Gravel. Non, on revient avec au périmètre avec Robinson Jr. qui prend l'écran à nouveau et qui fait circuler jusqu'à 0 degré. C'est bien joué. Pas de réussite toujours pour Maxime Rensch. Il était laissé seul là-bas en bout de chaîne. Robinson Junior à nouveau, il va servir cette fois-ci. Sjoberg lui aussi, il peut. Ouf, et bah pas cette fois-ci. Et là, il y a une faute qui va être sifflée. Et elle est contre les Genevois. Brian Colon qui demande tout de suite la vidéo. On va revoir ça, bien entendu, avec les magnifiques images qui nous sont proposées par Actua. Regardez, la passe à 0 degré. Je sors. Et en bas, Brian Colon, oui, qui écarte le bras forcément sur ce jeu du rebond et qui est sanctionné. Sur ce jeu du rebond, c'était avec Maxime Rensch, il me semble. Sanctionné donc justement par le trio arbitral. 14 secondes pour les Montezans. Il préfère prendre un shoot très très rapide. Fritschi, ça fait in and out malheureusement pour lui et pour les Montezans. Robert Zinn avec Markel Humphrey pour Paul Grave et Sjoberg qui était sorti très vite mais qui a raté cette interception. Et le ballon, la petite manque de communication côté Montezan et ballon remis en jeu, ligne de fond pour les Genevois. Oh, la raté de Paul Gravé et on voit, il s'en serait bien sorti quand même un peu mieux avec un rebond là, les Lions défensifs. Les Montezan, pardon, et les Lions de Genève qui ont justement l'opportunité de faire grandir un petit peu plus leur avance. Il va jouer au poste Robinson Junior, Michael Williams. Et derrière, allez lui glisser un petit mot à l'oreille. Temps mort pris par Chris Chougaz. Regardez, on revoit. Hop. Schlack. Et puis derrière, il y a le petit face-to-face entre les deux joueurs américains. Et le time-out. Alors, c'est pas le BBC monté. Là, c'est les Lions de Genève qu'on voit à l'écran. 40 secondes pour Dragan Andrijević. En pleine discussion ici avec Robert Zinn. On voit très clairement le relais du coach, un petit peu le meneur, c'est toujours le relais du coach sur le parquet. Et Robert Dinley, évidemment, grosse discussion entre lui et son entraîneur. Et de l'autre côté, Besrat Temelso et Chris Chougaz, surtout plaquette en main, qui dessine les premières petites facéties avec lesquelles on va aller attaquer les Lions de Genève. Discussion là aussi, on voit avec Warren Williams, Clayton DeSan, le 5 qui va retourner finalement, on voit Ryan Moore en survêtement. C'est une absence qui pèse du côté Montezan, forcément il avait apporté de très bonnes choses sur la fin de saison régulière à Ryan Moore. C'est un vrai handicap pour Montez aujourd'hui de se passer de ses services dans une série de playoffs, surtout aussi longue et intense que celle-ci a été face au Lions de Genève. Michael Sjoberg. La remise en jeu de Michael Forrest. Le score à la mobilière de cette équipe qui remonte le ballon contesté par Paul Gravé, mais il va le remonter, passer la ligne. Le donner à Robinson Jr. pour mettre en place une attaque. C'est ce qu'a dessiné Chris Chougaz tout à l'heure. Là, on va voir. D'accord, c'était une iso et un contre un. Là aussi, le footwork et les fondamentaux. C'est très bien réalisé de la part de Warren Williams. Et un système très bien appelé Chris Chougaz. Le pick and roll entre Robert Zinn et Deltinger. Robert Zinn, il va pas se priver, il va se lever là. Ici, il est laissé seul à 3 points, mais sans réussite. Markel Humphrey le rebond. C'est une des clés également de cette série. Pardon. On a vu les Montezans abandonner 25 rebonds offensifs lors du match précédent. Ils ne peuvent pas. Markel Humphrey, cette faute, elle va être sifflée. Les mains de Michael Forrest qui se tire les cheveux là-dessus. On va bien sûr revoir une nouvelle fois ces images. Michael Forrest a-t-il commis une faute ici sur Markel Humphrey? Sur ce, en tout cas là-dessus, on semblait le voir. C'est tellement difficile de se rendre compte si oui ou non il y a contact, mais ça semble quand même très léger. De lancer, en tout cas pour Markel Humphrey, le premier raté, très long en cercle. Markel Mladen Armus qui lui dit tranquille, le deuxième va rentrer. Je sais que normalement c'est pas un joueur qui souffre énormément sur la ligne, Markel Humphrey. Et le deuxième est dedans. 34-27 donc pour les Lions de Genève. Michael Forrest, balle en main pour ramener ses Montezans un petit peu plus dans cette rencontre. 7 points, 7 gros écarts ce match. Il avait déjà eu lieu pas si longtemps. Et Michael Forrest et les siens qui vont essayer de tout de suite possession offensivement, trouver un bon shoot. C'est rendu difficile par la défense genevoise. Robert Zinn pour relancer, on ne peut pas relancer vite malheureusement.
Michael Williams, une nouvelle fois sur Robinson Junior. On va aller le jouer. Le petit fadeaway magnifique. In and out, pas de réussite là à nouveau. Et une faute sifflée à l'intérieur dans ce duel entre Bladenhurst et Warren Williams. Et allez, hop, il vient tout de suite prendre le bras effectivement de Bladenhurst. Changement côté Genevois, sortie du top scorer à la Mobilière, Markel Humphrey pour faire rentrer à nouveau Boris Mbala. Est-ce qu'il va arriver à trouver du rythme sur ce relais de minutes, Boris? C'est là toute la question pour lui. En tout cas, il hérite du ballon sur cette remise en jeu. Michael Williams, la sortie d'écran là sur Robert Zinn. C'était Bladenhurst qui lui en pose un à nouveau. Il va aller attaquer à l'intérieur Robert Zinn. Il a bien vu dehors Boris Mbala qui vient de rentrer. Et ça ne rentre toujours pas en revanche. Au niveau du shoot pour l'international suisse, c'est terrible. Bon, elle n'est pas sifflée cette faute sur Michael Forrest qui était parti en transition. Elle va finalement être donnée à Boris Mbala. Alors on va revoir ces images une nouvelle fois. Bon, là il y avait de toute façon une faute de Robert Zinn. Qui demandait Boris derrière un marché. Non, le ballon est évidemment rendu au Montezan. Steve Robinson Jr. Nate West est sur un autre parquet, lui. Il est déjà assuré d'être en demi-finale. Et Robert Zinn pour les Lions de Genève. 34-27 toujours pour la formation du Pommier. On va contre là-bas, c'est difficile. Warren Williams qui était sorti très très fort. On donne à nouveau le ballon et c'est très bien défendu par Michael Forrest. C'était Boris Mbala qui avait pris ce ballon sur la ligne des lancers, tenté à 1 contre 1 et bien défendu de la part du top scorer. Mais Mobilière pas en réussite de l'autre côté. C'est Boris justement qui a pu ressortir la faute. Encore une fois, bien donnée de la part de Sjöberg. Cette faute là, c'était important. Les Genevois estiment qu'elle aurait dû être donnée en antisportive. On va revoir ça tout de suite. Ouais, il y a encore le safety derrière. Il est quand même plus ou moins de face. Je la trouve bien sifflée. C'est une nouvelle faute d'équipe en tout cas pour les Montezans qui va envoyer sur la ligne de toute manière Boris Mbala. Deux tentatives. Alors, l'enjeu de cette rencontre, il est énorme et on le sent bien dans la crispation de certains. Est-ce que Boris sur la ligne pour retrouver un petit peu de confiance? Oui, son premier lancé est dedans, un deuxième. Rentrer comme ça, filoche, net et sans bavure, lui ferait beaucoup de bien. La grande inspiration du numéro 1, Genevois. Et ce deuxième lancé, parfait, une batte nette. Il a peut-être donné un petit peu de flamme à Boris pour les 3 minutes et 20 secondes restants dans ce deuxième quart-temps. 36-27 pour les Lions de Genève et donc Robinson Jr. qui fait bien circuler le ballon avec Michael Forrest. Il avait Bladenhurst sur lui mais il a préféré ressortir pour Michael Sjöberg. Gros shoot, ils avaient besoin les Montezans de revenir là à deux grosses positions. 36-30, gros shoot de Michael Sjöberg. Boris Mbala qui va servir au poste justement sur Sjöberg. Paul Gravé, il va aller attaquer, jouer en contre probablement avec la de la planche. C'est bien joué de la part de Paul Gravé. 38-30 pour les Lions de Genève. Michael Forrest avec ce ballon, il donne tout de suite à Clayton Lausanne. C'est lui qui met en place l'attaque Montezane. L'écran avec Warren Williams, Clayton Lausanne, les hésitations à nouveau. Il fait circuler ce ballon au poste sur Warren Williams. C'est bien défendu par Bladenhurst. Michael Forrest qui de très loin avait hérité de ce ballon en coup du billard un petit peu, qui récupère ce ballon Michael Forrest et qui nous met un très très gros shoot là aussi. Voilà, deux bombinettes de la part des Montezans qui leur permettent de revenir à 5 points dans cette rencontre et ne pas être distancés en rentrant au vestiaire. C'est un vrai luxe quand tu arrives dans le costume de petit poussé. C'est un vrai luxe dont profitent maintenant Kishugaz et les siens. Là, c'est Dragan Andreevich maintenant qu'on voit à votre écran. Nouvelle fois très expressif, en beaucoup plus en communication que ce qu'on a vu sur les deux derniers matchs de cette série, notamment dans les time-out avec ses joueurs, Dragan Andreevich. C'est reparti pour les Lions et pour les Montezans qui vont bientôt les rejoindre également sur le parquet. L'enjeu, je vous disais, est énorme. Le monter, alors qu'on revoit Warren Williams là attaquer Dan Klinger aussi avec des bons fondamentaux.
Michael Forrest. L'enjeu est énorme. Les Lions de Genève, ils ne peuvent pas se permettre une saison sans aller en demi-finale. Et de l'autre côté, les Montezans, ça fait 5 ans qu'ils n'ont pas été à ce stade de la compétition. Ce serait un véritable exploit pour eux en venant à bout des Lions de Genève 5 années. Enfin, vous vous rendez compte ce que c'est pour un public qui était habitué aussi, qui a eu des trophées, etc. C'était l'époque Karl Kochran, il y avait Marin Bafsevich encore qui jouait bien évidemment. Boris Mbala était notamment du côté de Monté à cette époque. Arizona Reed, enfin, ils avaient une vraie petite équipe. Et donc ça fait un petit moment. Est-ce que ces garçons-là peuvent être les prochains à envoyer monter en demi-finale? On va savoir ça dans un peu plus de 20 minutes. 22, 20 secondes exactement. Et les Lions de Genève à l'attaque. Boris Mbala sur un spot qu'il affectionne avec l'aide du cercle. Voilà, un petit peu de réussite, de retour de réussite pour Boris qui redonne un matelas de 7 points d'avance aux Lions de Genève. Et Robinson Junior, 2 minutes au chrono, qui va essayer de mettre en place quelque chose pour les Montezans. Le top scorer à la mobilière de cette formation, Michael Forrest, sur Mladenermus. Est-ce qu'il va jouer Mladenermus? Non, il préfère aller cibler l'aide. C'est très bien joué et bien vu. La faute de Robert Zinn, qui était justement venu en aide sur Warren Williams. Et donc le N1, qu'est-ce que c'est bien joué là de la part des Montezans et de Michael Forrest notamment. Magnifique la finition de Warren, qui peut aller envoyer petit point supplémentaire qui ferait revenir à deux petites possessions. C'est Montezan, Warren Williams sur la ligne. 40-35. Et donc 40-36 pour les Lions de Genève. Et Montezan qui se replace. Et Genève qui repart 20 secondes au chrono sur cette possession. Robert Zinn qui appelle un système. Il n'a pas entendu visiblement hein, par Michael Williams qui est juste devant moi, Robert Zinn, mais c'est mis en place malgré tout. Boris Mbala au poste. Il a bien vu Boris Mbala. Et justement Michael Williams, est-ce qu'il n'avait pas entendu ce système posé par Robert Zinn ou pas compris, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est lui qui est à la finition et qui de très belle manière vient redonner un avantage plus conséquent, 7 points d'avance à nouveau, time-out immédiat de Chris Chougaz qui veut finir la mi-temps correctement. Ça n'avait pas été le cas lors du match 4 malgré la victoire des Montezans. Ils avaient un avantage je crois de 9 points à 1 minute de la fin de la mi-temps ou de 7 points si je ne m'abuse. Ils s'étaient finalement fait revenir à égalité en perdant énormément de ballons. Après un time-out justement posé par Chris Chougaz, ça avait rendu fou le technicien grec qu'on voit ici avec sa tablette. Donc là, la sortie de time-out va être scrutée. C'est très important quand tu arrives en play-off, à n'importe quel niveau, d'être performant sur les fins de quart-temps notamment. Sur les fins de match, bien entendu, mais sur les fins de mi-temps aussi. Pour les formations, il y a des coups à faire dans ces dernières minutes où les corps ont déjà été sollicités. Et est-ce que la rotation genevoise peut faire un peu plus la différence dans cette fin de premier acte? Est-ce qu'alors les Montezans vont trouver des ressources? Pourquoi pas Michael Sjöberg et Clayton Lesan qu'on apercevait à l'instant à l'écran. La réussite du parking à 3 points. Il va falloir toujours qu'ils en aient monté. Et tout de suite, on va voir ce que Chris Chougaz nous a préparé sur cette sortie de timeout. Le ballon est donné à Robinson Junior. Il essaie de très vite remonter la balle. À hauteur de ligne médiane et plus haut même. Clayton Lesan, le screen porté par Michael Sjöberg qui avait roulé très vite. Il n'est pas servi par Clayton Lesan. Ça a très bien roulé à l'intérieur. Ouf. La faute qui va être donnée à Boris Mbala ou Paul Gravé? C'est Paul à l'écran. On va le voir tout de suite. À Paul Gravé. Non, c'est sur cette situation. Et c'est toujours Paul Gravé. C'est deux fois en aide, Polo. Et qui commet la faute. Il y a une faute également de Mladenermus. Donc je sais même pas à qui ils l'ont donné au final. Si c'est Paul Gravé. Et ça va envoyer nos Montezans et Warren Williams sur la ligne. On fait sortir le top score à la mobilière côté Montezans. Michael Forrest qui rejoint le banc, qui tape la main à ses coéquipiers et qui est suppléé. On a donc sur le parquet aux côtés de Warren Williams qui va prendre ses lancers francs, Michael Sjöberg, Clayton Lesan, Maxime Rentsch et Robinson Junior. 3 Suisses aligné en même temps sur le parquet pour les Montezans. Premier lancé de Warren Williams raté. Alors, droit à une deuxième tentative Warren. Allez. Mettre au moins ce
ces deux lancers. Très bien, c'est fait par l'intérieur du BBC Montéchablais qui va tout de suite laisser sa place derrière à Pascal Choucou qui revient en boitillant un peu, j'ai l'impression, en serrant même les dents. Ouais, non, j'ai l'impression que Pascal Choucou, il y a un souci physique. Et nul doute que mon compère David Allegria Pinto à mes côtés va aller chercher ça sur le terrain. De luxe et de l'autre côté Markel Humphrey qui est tout de suite donné au poste là sur Maxime Reich, il va aller l'attaquer bien évidemment. Choucou, il y avait un beau chantier fait au loin là sur Pascal Choucou par Mladen Armus, c'est bien joué de la part des Lions. 45-37, 54 secondes et une possession montézane. Allez Montezan, il nous faudrait un petit panier de la réussite offensivement à nouveau sur cette possession. Clayton Le Sane qui demande aucune aide, il veut s'occuper tout seul de Paul Gravé, il va aller chercher un shoot très compliqué une nouvelle fois. Clayton, c'était bien défendu par Paul Gravé, c'est sans réussite donc pour Le Sane. Et à la relance, on a Robert Zinn qui passe la ligne médiane et qui va tout de suite essayer de cibler au poste. Non, il a vu, oh, très bien joué le jeu en triangle là entre Robert Zinn, Mladen Armus au périmètre et la belle coupe de Paul Gravé. Ils font souffrir loin du ballon les Lions là, ils sont très très bien dans cette fin de première mi-temps. Robinson Junior, la dernière possession probablement, il reste 13 secondes au chrono de cette première mi-temps. Il peut faire revenir un petit peu sa formation. Robinson Junior, qu'est-ce qu'il va choisir? Il vient dedans. Le ballon donné à Pascal Choucou, mais intercepté en transition. Michael Williams, la faute est sifflée sur Michael Sjöberg. C'est parti très vite en transition. Et une nouvelle fois, un petit peu comme sur ce match 4, je vous le disais, les Montezans qui ratent leur fin de première mi-temps. Cette fois-ci, malheureusement pour eux, c'est pas pour que Genève revienne à égalité, mais c'est pour faire grandir un peu plus une avance déjà de 10 points. Il y aura une seconde derrière pour monter. Est-ce qu'ils pourront en faire quelque chose? On va voir en attendant de lancer pour Michael Williams. Le premier est dedans. Deuxième tentative de Michael Williams. 49-37, une seconde donc pour les Montezans. Est-ce qu'ils vont prendre le tir dans les temps? Je ne crois même pas. Et de toute façon, c'était à côté. 49-37 donc pour les Lions de Genève. À la mi-temps ici au Pommier. Et tout le monde va regagner le vestiaire. Chris Chougaz. Et la mine un petit peu moins sereine que ce qu'on l'avait vu du côté du Reposieux, forcément mené de 12 points ici à Genève. Ils sont en mauvaise posture, les Montezans. On va vous offrir tout de suite un petit clip vidéo. Derrière, on aura les highlights de cette première mi-temps. Et juste après ça, la réaction à notre micro d'un joueur avant de vous laisser vous reposer pendant la mi-temps. Chère mobilière, j'ai été tellement content de recevoir un rabais de prime que je n'ai pas été le seul à sauter au plafond. Les bonnes nouvelles, ça se vit à fond. Grâce au fonds d'excédent, nous partageons notre succès avec notre clientèle.
du jeu de course et du jeu de relance, donc on doit contrôler un peu plus le pace offensivement. Merci mon best, bonne mi-temps, bon repos. Merci. Et à tout à l'heure. Allez, tout de suite on enchaîne avec Noé Anabir avec le micro, voilà, il a l'habitude un peu plus que le Bessigno. Noé, une mine un petit peu plus sereine, je dirais, que lors des prestations précédentes et des rencontres précédentes, notamment face au Montezan. 12 points d'avance, j'en parlais avec Besrat à la mi-temps. Vous avez offensivement retrouvé des choses qui font de vous une vraie équipe dangereuse ce soir. Oui, surtout grâce à notre défense. On a réussi à mettre beaucoup d'énergie sur notre défense, les pousser à faire des fautes. Intérieur, on sait qu'on a un petit peu l'avantage de taille, surtout au niveau de nos ailiers. Donc on a forcé un peu le jeu intérieur, on a eu des lay-ups, des 3 points ouverts, et ça nous a donné beaucoup de momentum. Mais ça a commencé grâce à notre défense. C'est ça aussi qui va faire la différence d'après toi sur ce deuxième acte. On va voir si eux ont un petit peu plus de réussite, si, comment tourne le match. Mais c'est là-dessus, votre fil rouge, c'est vraiment ce soir d'être une équipe concentrée défensivement. Oui, exactement, et on veut surtout se concentrer sur Forest et Robinson. On sait qu'ils vont prendre beaucoup plus de responsabilités pendant cette deuxième mi-temps. À nous de les arrêter et essayer de les faire créer pour les autres et pas qu'eux, ils commencent à avoir un petit peu le feu. On a vu ces petites prises à deux au périmètre notamment. Bonne première mi-temps les gars, à tout à l'heure Noé. Merci beaucoup. Allez, quant à nous, on se retrouve ici d'ici une petite dizaine de minutes au Pommier pour ces quarts de finale de Swiss Basketball League. Ce sont les Lions de Genève qui mènent à la pause 49-37 face au Montezan. On se rejoint, on se repose un petit peu, allez boire un petit coup et on se retrouve d'ici quelques minutes.
Et on est de retour ici au Pommier à Genève avec ces petites images de 3-3. Il y a le Swiss Tour qui va bientôt faire son entrée fracassante dans le paysage toujours des intersaisons de basket en Suisse. Avec des étapes un petit peu partout et notamment cette finale à Zurich, toujours dans la gare. Toujours un événement exceptionnel, mais en attendant, on a rendez-vous avec les quarts de finale de Swiss Basketball League. Puisqu'on est ici à la mi-temps, à l'entre-deux d'un duel qui aura décidément toutes ses promesses entre Genevois et Montezan. Est-ce que Monté va pouvoir refaire ce déficit sur cette première mi-temps? 12 points d'avance pour les Lions de Genève, 49 à 37, qui sont forcément plus proches de se qualifier que nos amis Montezan. Mais est-ce qu'ils vont arriver de nouveau à retrouver de l'efficacité, à retrouver un petit peu l'émotion défensive qui leur ont fait un peu défaut sur cette première mi-temps, alors que ça a été un des vrais axes de la part des Montezan proposés sur cette série? Un peu plus en délicatesse, 50 points déjà des Lions de Genève qui ont retrouvé de l'adresse en première mi-temps. Ils sont à 58% au shoot. De loin du parking, ça reste toujours un petit peu compliqué. Ils sont à 1 sur 8, donc un peu plus de 10%. Et puis en face, Montezan, bon ben voilà, on est toujours dans les mêmes standards de réussite. On est quand même sur du 45% à 3 points, 5 sur 11. Ils ont fait relativement, je dirais, attention au ballon, les Lions de Genève, par rapport aux Boars et aux Sangliers de Monté. C'est peut-être là que le bas blesse un petit peu également côté Montezan. Ces points dans la peinture qui sont venus chercher les Genevois et qu'on n'avait pas vu faire lors des rencontres précédentes parce qu'ils avaient beaucoup de mal avec Pascal Choukou qui là, ils ont un peu plus mis sur appui en dribblant, en shooter, en fakeant avant d'attaquer au cercle. Et ils ont l'occasion, les Lions de Genève, balle en main pour Robertine de tout de suite mettre la tête un petit peu sous l'eau des Montezans sur ce début de deuxième mi-temps. Bladen Armus qui sert à Markel Humphrey, le top scorer à la mobilière en Genevois, au poste sur Michael Forrest, duel de top scorer. C'est bien fait avec la planche sans réussite pour Markel, le rebond de Warren Williams et on va repartir pour les Montezans avec Michael Forrest et maintenant Robinson Jr. qui met en place un système immédiatement en demandant de libérer le demi-terrain. Voilà, on va donner la balle au périmètre à Warren Williams avec Michael Forrest. La sortie d'écran, elle est pour Clayton Nussan de la part de Brandon Kuba. Écran cette fois-ci de Warren Williams. Si c'est Kuba finalement servi à l'angle 0, ça va être long ça. Ouf, ça avait même touché la planche. Rebond pour Bladen Armus et les Genevois qui repartent de l'avant. Robert Zinn qui annonce le deuxième système du playbook de coach Andreevich. Playbook qui n'était pas très épais là sur les premières rencontres. Est-ce qu'ils vont être plus inspirés ce soir les Lions de Genève sur cette nouvelle possession? Ils le sont ce soir évidemment. Markel Humphrey le top scorer, c'est un petit peu long en cercle et on ressort. On a quand même ce rebond, un nouveau rebond offensif. Robert Dean laissé seul, sans la réussite pour le meneur Genevois mais qui allait se battre pour récupérer ce rebond. Il va sortir le ballon à 0 degré pour Paul Gravé à l'intérieur sur Bladen Armus. L'aide était bien lue par les Montezans qui sont revenus rapidement quand même en défense. Manque de réussite pour les Lions et pour Bladen Armus. On est reparti déjà de l'autre côté. Robinson Jr. en tête de raquette sur Markel Humphrey. Il préfère donner à Clayton Nussan la belle prise de position mais il n'est pas servi. Finalement Brandon Kuba par l'intermédiaire de Warren Williams. Pas de faute sifflée un petit peu tard. C'est une faute, il me semble, de Bladen Armus. Oui, le numéro 7, Bladen Armus sanctionné sur ce contact. Deuxième faute pour lui et on va le revoir ici. Oui, il y a une petite balle sur la main. Écoutez, ça se joue tellement vite dans ces moments-là. En tout cas, sanctionné l'intérieur Genevois. Et Brandon Kuba, deux occasions sur la ligne de faire revenir un petit peu les siens. Là. On a amené sur cette barre des 10 points. Et enclencher un cycle positif rapidement pour les Montezans. Pas trop courir après le score. Et de l'autre côté, côté Genevois, bien sûr, enterrer tout de suite les espoirs des Sangliers. Et le rebond, il est Genevois justement avec Paul Gravé sur cet échec de Brandon Kuba, relance des Lions de Genève. Robert Zinn qui joue vite la transition. Markel Humphrey également avec Michael Williams là-bas à l'intérieur. Il a amené un grand sur lui. Est-ce qu'il va tenter d'écarter? Bladen Armus va forcément être servi au poste. Ça roule bien à l'intérieur, Paul Gravé. Et on est sorti. Ah, les Lions de Genève qui font bouger un petit peu la balle. Voilà des choses qu'on aime voir. Qu'est-ce que c'est bien joué sur cette possession. Et Michael Williams qui trouve parfaitement Bladen Armus à l'intérieur. Voilà les Lions de Genève
qui arrêtent de faire rebondir ce ballon, qui font circuler et qui redeviennent forcément une équipe dangereuse. On en a parlé avec Noé Nabir à la mi-temps. C'est le cas sur le début de deuxième acte également. Michael Forrest qui vient attaquer à l'intérieur. Qu'est-ce que c'était dur. Il va sortir sur Brandon Kuba quand même. Brandon Kuba à l'intérieur sur Williams. Est-ce qu'il n'est pas dehors, Brandon Kuba? Non, estime les arbitres. Il est en échec en tout cas dans la foulée. Et on va demander côté corps arbitral, pardon, un petit coup de serpillière ici. Ça a l'air de glisser. La défense et l'intensité mise par Paul Gravé sur Brandon Kuba. Et donc un petit coup de serpillière. La sécurité des acteurs du jeu avant tout. Paul Gravé qui va remettre ce ballon. Pas de pression, tout terrain de la part des Montezans. Et c'est Michael Williams qui va mettre en place cette attaque pour les Lions de Genève. Mladen Armus qui monte pour porter un écran. Robert Zinn, Paul Gravé qui ressort à nouveau avec Michael Williams, puis Markel Humphrey. Ça a tourné, on a bien lu les aides et Robert Zinn laissé seul à 3, il ne va pas se gêner. Il offre 3 points de plus aux Genevois, 54-38 pour les hommes de Dragan Andrejevic. Noé Nabir qui congratule tous ses coéquipiers. Robert Zinn qui vient se rasseoir après ce gros shoot sur le banc Genevois. Et donc un matelas de 16 points d'avance maintenant pour les Lions. Time out immédiat demandé par Chris Chougaz qui va rassembler ses hommes et essayer de trouver une solution très rapidement. Là, 16, ça commence à faire joli. Donc il faut stopper l'hémorragie tout de suite. Il reste 7 minutes dans ce carton. Il y a un vrai momentum de la part des Lions de Genève parce qu'on avait vu sur ce deuxième quart qu'ils avaient remporté 26-17, si je ne dis pas de bêtises, que c'est là depuis un moment dans ce match. Il faut que les Montezans trouvent une solution. Et notamment, il faut qu'ils trouvent un petit peu, je dirais, loin des options principales que sont Michael Forrest et Robinson Junior, des solutions au scoring des joueurs qui les avaient tenus un petit peu sur des moments comme ça en première mi-temps. Je pense à Clayton, je pense à des joueurs comme Maxime Range qui ont mis des shoots importants à des moments de cette série-là. C'est de ça dont va avoir besoin Chris Chougaz, que vous voyez à votre écran, et tout son effectif. Petit Sirtaki en hommage au coach grec ici au pommier. Et donc balle dans les mains de Clayton Le San qui annonce le système à ses coéquipiers. On lui empêche tout de suite de mener le jeu avec une prise à deux, mais il hérite tout de même à nouveau du ballon. On ressort le ballon sur Robinson Jr. Vous voyez, il y a toujours Mladen Armus, il est quand même assez vigilant sur ce qui se passe. Ouais, il y a faute. Il était tellement vigilant même sur ce qui se passe du côté de Robinson Jr. que finalement il est en retard ici pour venir défendre son aide sur Warren Williams. Un petit peu en difficulté sur cette rencontre sur la ligne, Warren Williams. Là, c'est le genre de situation où il faut absolument les deux. Pour son équipe, Daniel Lebron et Dragan Andrejevic de l'autre côté là-bas qui sont en discussion bien animée sur la touche genevoise. Et donc deux chances pour Warren Williams de faire revenir les 100 billets dans cette rencontre. Le premier est raté malheureusement. Et un deuxième échec. Les Montezans qui restent donc à 16 points. Rebond de Markel Humphrey qui donne tout de suite le ballon à Robert Zinn. Une attaque placée sur demi-terrain pour les Lions de Genève à venir avec Robert Zinn qui demande à Michael Williams de venir prendre au poste Robinson Junior. C'est chose faite. Et un petit peu loin malheureusement pour les Lions. Et finalement il est redonné là en passe Eva. Michael Williams il vient prendre en shoot, en sortie de dribble. Non. Oh là là, c'est typé par Paul Gravé ou Mladen Armus. Cette affaire magnifiquement pour les Lions. Et 18 points d'avance pour les Genevois. Attention là, attention. Oh, qu'est-ce que c'est dur là, la finition. Robinson Junior, il n'y était pas. Un geste technique très très dur à réaliser. N'essayez pas sur le playground de votre ville. Et c'est bien joué là, le jeu à deux entre Clayton Le San et Warren Williams. C'est 16 points. On va essayer d'avoir un stop, ça passe par là pour les Montezans, en tout cas pour revenir dans cette rencontre. Et les Genevois qui mettent en place cette attaque, et Robert Zinn qui a vu Markel Humphrey pardon, au loin sur Michael Forrest justement qui le défend. Et à l'intérieur, on va jouer une nouvelle fois Mladen Armus. La bonne vision de Mladen Armus pour Paul Gravé, un shoot très difficile, ça finit même airball. Mais les efforts de Mladen Armus sans réussite. Michael Williams, c'était un petit peu laborieux cette possession genevoise. Que s'est-il passé? C'est-il passé derrière? On a sifflé une faute.
Et il va y avoir des changements. La rentrée de Pascal Choukou pour Michael Sjöberg. Vladen Armus qui va lui sortir pour Noé Anabir. Et c'est donc Michael Williams qui va se présenter après cette faute sur la ligne de lancer. Pour donner pourquoi pas 18 pions d'avance au Lion de Genève. Et soulager un peu plus un Pommier. Un petit peu timide ce soir. Les fans montésans n'êtes pas à la fête là-bas, parce que je peux vous dire qu'il y a quelques mines déconfites en tribune. Le premier lancé réussi par Michael Williams. Et la deuxième tentative de l'Américain qui rentre également. 18 points d'avance, donc 58-40 pour les Lions de Genève. 5-50, un peu moins de 6 minutes à jouer au chrono de ce troisième carton. Et des Montezans qui ont cruellement besoin de réussite offensive. On va faire entrer Fritchi pour ça. Warren Williams au poste avec Michael Forrest, tout de suite pris à deux. Voilà, c'est ce dont nous parlait Noé Anabir à la mi-temps. Il expliquait que tout de suite ils essayaient de sortir la balle des mains de Michael Forrest, pardon, et de Steve Robinson Jr. C'est les choses qu'on les voit faire encore une fois ici. Michael Forrest tout de suite pris à deux. La bonne défense côté Genevois qu'on voit ici se rassembler sous la houlette de Robert Dean et du capitaine Noé Anabir. Et donc ce 5 small ball proposé, je ne sais plus si on en a parlé dans le podcast ou si c'était en préambule de la rencontre, mais c'est une vraie solution que Dragan Andrejevic n'avait pas sorti sur le match 4, notamment au Pascal Choukou, alors qu'on est en train de revoir justement pour qui est le ballon. J'ai le temps de finir ma petite anecdote et que j'ai perdu en cours de route. Donc vous voyez à l'écran Noé Anabir et Robert Dean. Je n'arriverai pas à la retrouver, je le sens. Ça reviendra dans un moment. Oui, le small ball, ça y est, j'y suis en revoyant Noé Anabir sur Warren Williams. Ce small ball, il ne l'avait pas sorti lors du match 4, alors que des joueurs qui peuvent être à droite de la ligne à 3 points. Donc là, on a un 5 avec Noé Anabir et Paul Gravé. Et une possession rendue aux Genevois. Cette balle avait été touchée par un Genevois pour finir, par un Montezan pour finir. 58-40, la possession. 5-40 au chrono de ce troisième quart-temps. Ça commence à faire lourd un petit peu pour les Montezans. Attention, Clayton Lussan, ça va être sifflé. Elle est donnée à Clayton Lussan, cette faute. Je ne sais pas si c'était une sortie de balle ou une faute vue d'ici, mais Clayton qui a l'air lui de dire en tout cas qu'il a pas fait grand chose. Remise en jeu dans tous les cas genevoise avec Noé Anabir pour Robert Zinn qui repart de l'avant pour les Lions de Genève, qui va voir la sortie d'écran là-bas de Michael Williams. C'est bien défendu jusque très loin là par Michael Forrest qui met une belle pression. Il reste 10 secondes au chrono pour Michael Williams et les Lions de Genève. Wow, il est bien allé jouer en 1 contre 1 sous la pression. Il a très bien lu cette défense. BBC Monté Chablais, il ajoute 2 points à nouveau, plus gros écart du match, 60-40 pour les Lions de Genève qui sont en train de faire pour l'instant une bouchée de leur sanglier favori ici au Pommier. Et Warren Williams qui va aller attaquer Noé Anabir. Warren Williams, c'est bien fait, la circulation de balle qui est difficile derrière Robert Dean, la défense, il va être sanctionné une nouvelle fois ici sur Thomas Fritschi, logiquement. On va le voir ici, il est en appui, il bouge. Robert Zinn au moment de percuter Fritschi. Balle de côté donc pour les Montezans et pour Thomas Fritschi. Troisième faute de Robert Zinn. Côté Montezans, on a Lussan également. Williams à 3 fautes. Warren Williams, on voit ici, servi. Voilà, c'est dur sur Noé Anabir avec la planche. Là, il essaye d'aller gratter quelque chose de très difficile. Et Pascal Choukou sanctionné loin du ballon là sur cette lutte au rebond. On va revoir ça tout de suite. Hey, il appuie le bras. Après, il est bien vrai aussi que Paul le ceinture dès le début de cette action. Pascal Choukou qui n'est pas verni. Quand vous êtes grand comme ça, 2m19 quand même, les arbitres ont tendance à être un petit peu plus difficiles dans les contacts pour les prises de position, etc. C'est possible. Tous les gros big men pareil. Michael Williams qui est sorti très vite et un shoot assassin, un de plus s'il le fallait pour les Lions de Genève qui mènent maintenant 23 points. Time out de Chris Tsugaz ici au Pommier. Et là il y a la Comcoque minute qui boue, ils ont mis le couvercle dessus les Lions de Genève.
n'y a plus qu'à finir la cuisson tranquillement. 23 points d'avance alors qu'il reste 4:40 au chrono de ce troisième carton. Et un nouveau time-out cramé par Chris Tsougaz pour essayer de rassembler un petit peu tout le monde, de donner de nouvelles idées à son groupe. Chris Tsougaz qui semble quand même dans une impasse sur ce match-là. Et qui fait face aussi, bien sûr, aux limites d'adversité qu'a son groupe par rapport à celui à disposition de Dragan Andreevich. C'est une certitude, mais Chris Tsougaz, les 23 points d'écart qui font très très mal à sa formation. On va pas parler de miracle tout de suite, mais il faudrait quand même que les Montezans soient extrêmement inspirés pour finir ce troisième quart et espérer exister un petit peu et revenir. On a vu des comebacks énormes. On a vu un 21-0 de la part d'Union Neuchâtel sur un mix de troisième et quatrième quart entre Neuchâtel justement et Vevey. On revoit ici. Voilà, il avait très bien lu l'attaque, les petits dribbles, même si c'est une attaque de soliste. Il a bien lu la défense et il sanctionne Michael Williams, 63-40 donc, et 4 minutes à jouer. Il a glissé, est-ce que ça va être sifflé? Ça va finir en flèche de possession cette affaire. Est-ce qu'il s'est pas fait mal? Je me le demande. Le ballon est sorti, non, une faute sifflée pour Paul Gravet. Au grand dam de Dragan Andreevich, on va le revoir ici. Ok. Ouais, il pousse avec son bras droit, il vient tendre un petit peu. Il y a les bénévoles des Lions, la sécurité des Lions de Genève là qui vient me dire il n'y a rien. Il tend quand même un petit peu ce bras. Et il est sanctionné, Paul Gravet, durement ou pas, à chacun d'en juger. Mais en tout cas, ça va être une remise de côté pour le BBC Montéchablé juste après qu'on ait passé la serpillière une nouvelle fois sur le parquet du pommier. Qui ont été opérés, on y va avec un 5 avec Michael Forrest et toujours bien sûr Robinson Junior. Ryan Williams vient poser malgré ses trois fautes toujours sur le parquet, il vient poser cet écran, il ressort avec Fritchie, les belles mains là de Brice Mbala, Michael Forrest et le pied de Robert Zinn. Il restait 5 secondes mais on va en redonner 14 au Montezan après cette interception du pied de Robert Zinn. Eh bien lui aussi, il fallait la faire. Bien joué Robert, et est reparti du côté des Montezans avec Robinson Junior qui ont joué le périmètre ici et puis au poste maintenant avec Williams, toujours sans réussite. Aïe 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 aïe. Les Montezans, attention, il va falloir un stop sur celle-ci. Est-ce qu'ils en sont capables? Et bon, on va le voir tout de suite. Noé Anabir, la belle coupe là de Boris Mbala, la fin de venir poser un écran. Finalement, il finit quand même à remettre ce ballon à Paul Gravet. Tout seul, Noé Anabir, il pouvait prendre ce shoot. Il a préféré donner à Robert Zinn. Sans réussite pour Robert Zinn et une faute sifflée. Alors celle-ci, elle n'est pas forcément nécessaire de la part de Boris Mbala. Les jeunes voix étaient quand même bien replacées. Ah. Péché un petit peu de... Il est en discussion avec l'arbitre. Et Fritchi, ça va l'envoyer sur la ligne. Avec plus de réussite ou non que Warren Williams tout à l'heure. On va croiser les doigts pour que les Montezans l'aient un petit peu plus. Et on change, on va arrêter le small ball côté Genevois. Paul Gravet qui sort. Matt Enfinger, un vrai poste 5 pour reprendre sa place. Thomas Fritchi, le premier lancé, est converti. 63-41 et l'opportunité de revenir à 21 points pour le BBC Montéchablé, c'est fait. 63-42, à nouveau un petit stop pour les Montezans. Robert Zinn qui demande à tout le monde de tourner, ça va probablement être Boris, non, Ryan qui va hériter de ce ballon là. Boris là-bas à 45 degrés, est-ce que ça finit dans ses mains? J'ai pas la pression toujours. Le bon screen là avec Matt Lentinger, le jeu à deux, ça finit finalement dans les mains de Boris Mbala. Ça vous voyez sur ce début de possession, toujours en manque de réussite du parking. Brian Colon qui ne prend pas ce shoot, on va cramer un petit peu de temps sur la poste et grainer les secondes. On est devant et largement côté Genevois. Robert Zinn au poste qui ressort pour Brian Colon. Noé Anabir sur un tir extrêmement contesté qui touche même pas le cercle et les Montezans qui prennent ce rebond. Il y a Boris qui est tombé dans le lot mais qui s'est relevé très rapidement. Michael Forrest pour aller ramener un petit peu plus d'espoir côté Montezan, c'est bien joué. Il est venu agresser Brian Colon au poste et il le fait très bien, l'arrière américain des Sangliers. Bien joué, il y avait déjà même une première avant le shoot. De toute façon, étant dans le bonus, elle aura envoyé les Montezan sur la ligne et elle va leur permettre probablement
on l'espère pour eux en tout cas, de redescendre en dessous de cette barre des 20 pions, qui est quand même un chiffre quand il reste que 13 minutes à jouer dans ce quart de finale, ce match 5 de quart de finale de Swiss Basketball League. Ça rentre, filoche directement pour Michael Forrest sur ce premier lancer. Et le top scorer, la mobilière des gens de Genève, qui va avoir ici le luxe de les faire passer effectivement sous cette barre des 20 points. 63-44, Brian Colon pour les Lions de Genève qui annonce head le système, tête des Lions de Genève. On va voir ce qu'il nous prépare ici avec Robert Zinn toujours au périmètre. Il y a une prise à deux au périmètre de la part des Montezans. On ne veut pas laisser Robert Zinn. C'est Boris Sembala enfin, ça y est, qui nous rentre un shoot du parking. Ça, alors j'arrête pas de lui dire que les choses vont lui faire un bien fou, mais il y avait un tel trou d'adresse pour Boris. Ça fait plaisir de le voir en réussite ici. Robinson Junior avec Michael Forrest, prise de position très contestée par Dentlinger au poste. Oh, ce shoot pris par Michael Forrest qui fait du bien en sein. 12e point, 9e, 10e, 11e et 12e point. Enfin non, il n'y en a pas 4, vous m'avez compris. 10, 11 et 12 pour Michael Forrest. Les Lions de Genève qui sont à l'attaque. Est-ce que Boris il va avoir envie de se faire un petit une petite sucrerie là maintenant qu'il vient d'en mettre un? Non, il préfère jouer avec Brian Colon à 3 points. C'est long en cercle, bon rebond de Noé Nabir. Les box outs, ils y sont pas, les Montezans. Ils y sont pas du tout là sur les efforts loin du ballon pour ce rebond offensif dont on avait parlé. Il s'était fait ouvrir le match précédent. Oh, Robinson, ce N1 sur ce petit flotteur doux, délicieux qu'on va revoir avec les magnifiques images qui vous sont une nouvelle fois proposées par Actua. Oh là, c'est très très fort ce que nous fait Robinson Junior sur ce coup-là. Il est un chouille moins scoreur évidemment que Michael Forrest, mais ils ont une paire derrière je trouve très complémentaire, parce qu'il y a un côté création et un côté transition que ce garçon-là apporte au BBC Monté-Chablais. Et en tout cas plein de talent là sur ce coup-là pour ramener un peu son équipe à 18 points, 68 à 50 pour les Lions de Genève. L'écart, la montagne est encore énorme à gravir pour les Montezans. Ça passerait évidemment par une bonne défense sur cette position. Boris Mbala, Noé Anabir, ça circule avec Robert Zinn puis Brian Colon, pris à deux ici. Boris Mbala de nouveau qui va avoir une coupe à faire et ressortir le ballon sur Robert Zinn. C'est bien défendu au large par les Montezans. Dentlinger, il a mis sur ses appuis une nouvelle fois Warren Williams en venant lui faire un petit bump là à hauteur de plexus. Très bien fait. Et on est reparti côté Montezan. Michael Forrest, on sort la balle. Là, ça va être un main à main entre Brandon Kuba et Robinson Junior. Un gros shoot ou pas? Non, ça ne rentre pas pour Robinson Junior. Et les Genevois qui vont ressortir ce ballon. Toujours le même système, vous le voyez, en train de se caresser les cheveux, l'ami Robert Zinn. Donc tout à l'heure, ça avait terminé pour un tir à 3 points à 45 degrés de Boris. Cette fois-ci, est-ce que ça va pas être pour Noé? On va voir. Là-bas, eh ben non, c'est pour Brian. Et c'est une belle bricasse sur la planche pour Brian Colon. 58 secondes à jouer là. Ouf, et cette balle cafouillée mais gardée en main par les Montezans. Michael Forrest, on va essayer de jouer rapidement là pour avoir encore du temps et des possessions dans cette troisième quart-temps. Le gros shoot de Robinson Junior. Boris Mbala était tombé un petit peu plus loin sur l'action, tout va bien. Et Robinson Junior qui ramène à 17 points. Il y a encore 2 voire 3 possessions dans ce quart-temps là. Est-ce que les Lions vont la jouer vite pour jouer un 2 plus un? Non, malgré la demande de Dragan Andrejevic. Brian Colon laissé seul ici à 3 points qui vient mettre un nouveau tir qui ramène à 20 l'avantage des Lions de Genève et qui fait de nouveau mal aux Montezans bien entendu. Dernière possession pour eux et pour Steve Robinson Jr. ici, 10 secondes au chrono pour les Montezans. Brian Colon qui est sur lui, le screen porté par Williams qui a très vite roulé. Brandon Kuba servi là à 0 degré, c'était pas forcément la première option. On a trouvé Michael Forrest au buzzer et ça fait airball pour Michael Forrest. Ouf, 20 points d'écart à la fin de ce troisième quart-temps. Et ça va être extrêmement dur pour les Montezans de venir chercher un résultat positif et une qualification ce soir. Au vu de l'écart abyssal, bien entendu, au score, mais également sur ce qu'on voit sur le parquet, les Lions de Genève qui sont bien en place. Ça discute beaucoup.
entre Montezan, bien entendu, qu'on voit à l'écran, mais de l'autre côté aussi, Chris Tsougaz, qui essaye encore de trouver les mots. Quand on est dans une situation comme ça, entraîneur, bien sûr, on le voit avec du recul. Je vous disais, il y a eu un 21-0 infligé par Neuchâtel entre le 3e et le 4e quart dans la série Les Opposants à Vevey. Mais voilà, c'est très rare. Et quand tu es entraîneur dans la peau de Chris Tsougaz en ce moment, je pense qu'il y croit encore. Il essaye de donner ça, évidemment, à ses joueurs, quoi qu'il arrive. Et les premières secondes, ce sont les Montezans qui vont avoir les balles. Je ne me rappelle plus qui avait gagné le tip-off au final. Mais ces premières secondes, ces premières possessions du dernier quart, il va falloir que ce soit très très chaud du parking, qu'il y ait de l'adresse côté montée, que ça joue vite et qu'on trouve un vrai tempo sur ce début de dernier quart-temps. On pourrait espérer, ah, celui-là, Brian Colon, qu'on revoit avec le petit type derrière de Noé Anabir. Voilà, ces premières secondes-là pour les Montezans, elles vont être vitales et capitales pour espérer un petit miracle, un grand miracle, même maintenant on peut le dire, dans ce match 5 des quarts de finale de Swiss Basketball League. Les 10 acteurs de cette rencontre actuellement rejoignent le terrain. On a Denklinger, Anabir, Boris Mbala, Colonne et Robert Zinn côté Genevois, et puis en face Michael Flores, Brandon Kuba, Pascal Choukou qui est revenu, Thomas Fritschi et bien sûr Robinson Junior qui est également servi ici, Fritschi le petit écran, et voilà, tout de suite c'est eux qui avaient la possession du coup sur une attaque très rapide. Il fallait donner un tempo comme ça sur cette deuxième mi-temps de la part des Montezans, sur ce dernier carton pardon, c'est chose faite. Ils reviennent un petit peu et Robert Zinn qui met en place cette première attaque pour les Lions de Genève dans le dernier quart. Robert Zinn, le baillon un petit peu cafouillé, la défense elle est très haute, il demandait même à avoir commis la faute pour Issem Bala qui vient. Les Lions sont en train de trouver une adresse à 3 points qui les rend irrésistibles face aux Montezans ce soir, et notamment sur ce span là du dernier carton et ce début de quart là. Sur cette deuxième mi-temps, ils ont retrouvé un petit peu d'adresse, les Lions de Genève. De loin, ça leur fait du bien, à contrario, les Montezans encore en difficulté un petit peu là. Et Robinson Junior qui ne met pas ce panier. Robert Zinn qui peut refaire passer les siens au-dessus de la barre des 20 pions. L'écran porté par Denklinger sur Brian Colon. Brian Colon qui joue le 1 contre 1 sur Robinson Junior. Il avait l'avantage un petit peu physique et puis même de taille, même s'il n'est pas très grand, Brian. Robinson Junior est encore un peu plus petit. La prise à deux au poste, on ne laisse pas jouer Michael Forrest, ça aurait été tout le long, ils auront peiné à trouver des solutions face à ça, les Montezans. Thomas Fritschi qui envoie un shoot en sortie de dribble très difficile. Et là, attention, Boris Bala, il va y avoir une faute bien intelligemment donnée par Michael Forrest qui va permettre à son équipe de souffler un petit peu parce que c'est dur à gérer sur transition. 21 points d'avance pour les Lions de Genève. Et en vrai, je vais pas vous mentir, hein. Restez devant votre écran, bien entendu. Mais un vrai là, gros matelas qui va être extrêmement difficile de combler pour les hommes de Chris Tsougaz. Keaton Le San, qu'on voit ici à l'écran, Boris Mbala qui va remettre en jeu cette balle pour Noé Anabir. Noé Anabir avec Boris de nouveau, qui va aller jouer là-bas dans l'axe au périmètre, coupé au drive sur Brandon Kuba. Sans réussite, il était un petit peu loin du cercle, c'était bien défendu. On est reparti côté Montezan. Warren Williams qui a été servi par Clayton Le San, il voit au loin Brandon Kuba à nouveau. Et c'est dur, on lui propose un shoot très très loin du cercle là aussi à Brandon Kuba. Le beau rebond de Pascal Choukou qui fait du bien à son équipe là-dessus et qui ramène les siens à 19 points. Brian Colon et les Lions de Genève, on va forcément laisser courir un petit peu ce chrono, gratter un petit peu sur toutes les postes. Ne pas donner de rythme à ce dernier carton côté Lyon de Genève, ça va forcément être l'objectif. Et Michael Williams ici qui est parti en 1 contre 1, ça va être compliqué d'aller se frotter à Warren Williams. Il joue avec deux grands. Oh, ce shoot énorme de Michael Williams, celui-ci, on a. Alors on sait qu'on a affaire à un sniper, mais là c'est l'un des shoots de ce premier tour de playoff, mesdames, messieurs. Allez, ça, hop, le récupère, tac, il va prendre. Un Ave Maria au-dessus d'un big man monstrueux, Michael Williams, qui creuse un peu plus l'écart, 22 points d'avance. Warren Williams qui prend ce shoot, il était laissé seul à mi-distance, mais malheureusement sans réussite. 79-57 pour les Lions de Genève,
7 minutes au chrono. Dragan Andrijević qui va rappeler un garçon. Il a fait sortir, il nous fait sortir Boris. Vous voyez à l'écran, coupé dans la main de poche Andrijević. On se retrouve donc avec Markel Humphrey à nouveau sur le parquet qui défend ici sur Kuba. On remet le ballon côté Montezan à Choukou. Choukou qui pose un écran là au loin du ballon. C'était pour Peyton Hassan. La balle et l'écran pour Robinson Junior qui vient à l'intérieur. La belle coupe de Warren Williams. C'est très bien lu par les Montezans. Une phase de jeu à deux sur laquelle ils ont fait souffrir les Lions de Genève lors de ce match 4. Mais donc ce soir, ils auront fait cadeau trop souvent. Peu souvent même, je dirais. Marika Williams justement ici qui est reparti pour les Lions de Genève et qui attaque sur Clayton Nussel. Le pic posé par Dentlinger qui va à l'intérieur prendre, jouer l'avantage de taille sur Clayton et le N1 des Lions de Genève. À en voir un petit peu en tribune, je ne sais pas si on peut vous montrer ça, mais les Montezans sont au courant de ce qui est en train de se passer sur le terrain. Et malheureusement la nouvelle n'est pas bonne. Ce retour en demi-finale dont je vous parlais, les Montezans qui ne les ont plus joués depuis 5 ans. Et qui croyaient ici forcément le momentum de cette série inversée après les deux premiers matchs. Les arbitres de cette rencontre qui vont aller revoir une situation. On va revoir avec eux, je pense. De quoi s'agit-il ? Alors, ils sont en train de revisionner les arbitres, le dernier play de cette rencontre. 81-59, 6-47 à jouer. Et Jean-Louis qui devrait partir sur la ligne ici. Alors qu'est-ce qu'on revoit ? Est-ce qu'il y a un challenge vidéo qui a été réclamé par Chris Chougaz pour cette faute sifflée ? Ou est-ce qu'on est allé voir si on l'a considéré comme anti-sportif ? On va voir. Ou sur tir, peut-être c'est là qu'ils ont un doute. On va se rendre compte avec les magnifiques images qui nous sont ici proposé à l'écran. Ah, est-ce qu'on la donne à Clayton peut-être sur la première faute qui effectivement est en bas, mais si elle a été sifflée pour Clayton, ils peuvent la revoir. Dans le cas contraire, non. Et non, c'était pour voir s'il y avait effectivement une anti-sportive donnée. C'est le cas. Et ça va offrir donc deux lancers à Dentlinger. Pascal Joubou qui vient s'excuser. Je ne l'ai pas bien vu, en tout cas moi sur les images. Mais effectivement, la main de Pascal Choukou qui traînait sur ce shoot et qui est sanctionné d'une faute anti-sportive d'Entlinger. Deux chances sur la ligne. Le premier n'est pas dedans. Et une deuxième tentative. On n'a qu'une seule tentative. Évidemment, elle a été donnée en anti-sportive. Remise en jeu pour les Lions de Genève. Markel Humphrey avec Brian Colon. Toujours assez basque, Steve Robinson Jr. L'écran posé bien comme il faut par Dentlinger qui a roulé derrière, qui vient envoyer un petit homard ici sur les cercles montésans, enfoncer un petit peu plus et finir la cuisson dont je vous parlais tout à l'heure de ces boards. Clayton Nussan ici, on a demandé à Brandon Kuba d'aller prendre une position en bas là sur Markel Humphrey, mais c'est très dur à jouer. Il préfère ressortir effectivement avec Warren Williams sur Noé Anabir. Et le ballon échappé des mains de l'intérieur Montezan. La balle va être rendue aux Genevois. Noé Anabir pour remettre ça en place. Et à nouveau coach Dragan qui se caresse les cheveux pour demander le système favori des Lions de Genève. Allons voir, voilà, vous voyez Brian se caresse également les cheveux. Allons voir ce qu'ils nous ont préparé. Là c'est reparti avec Brian Colon sur Robinson Junior. Le ballon pour Michael Williams. Michael Williams qui prend le pic. Il a mis un shoot énorme juste ici tout à l'heure. La domination rebond une nouvelle fois. La faute de Maxi Brench. Faute de frustration là, on le voit. Et Noé Anabir qui est allé gagner ce duel. Les box-out, les rebonds offensifs concédés une nouvelle fois. Et les box-out, je le disais, mal fait de la part des Montezans qui coûtent forcément très très cher. C'était le 14e rebond offensif des Lions de Genève ce soir. C'est énormissime. Et Noé Anabir, cette deuxième tentative est au fond. 84-59 pour les Lions de Genève. Ici au pommier, Clayton Nussan qui va jouer au périmètre à
avec Warren Williams, sur Maxime Rensch. Robinson Junior fait tourner le ballon, on essaie de plus jouer vite côté Montezan, on va essayer de bien finir ce match surtout. C'est bien joué là dans un jeu à deux entre Robinson et Warren Williams. Belle possession de la part des Montezans qui reviennent à 23 points. 5 minutes, un peu plus de 5 minutes au chrono de cette rencontre. Et on envoie au poste bas. Noé Anabir, la prise à deux, on ne veut pas le laisser jouer au poste bas. Markel Offrey qui fait bien circuler jusqu'à Brian Colonne. Et ça ne rentre pas, mais à nouveau un rebond offensif et même un deuxième de la part des Lions qui sont en train de croquer complètement dans ce secteur de jeu, les Montezans. Ça aura été le point noir un petit peu de cette série pour monter. Malheureusement, ce soir, ils le payent extrêmement cher. Le BBC Monté-Chablais, 86-61, plus gros écart du match, 25 pions. Entre les deux formations, un petit coup de serpillière là. Parce qu'on a Williams qui avait fini au sol après son... après cet énième panier. Dragan Andrejevic qui est un petit peu soulagé, probablement parce qu'il vient de voir de la part de ses joueurs des Boris qui ont récupéré, on en parlait tout à l'heure. Michael Williams c'est un gros match aussi, ça fait plaisir à voir. Et les Montezans pour donner dernière cartouche dans la bataille avec Michael Schubert qui ressort. Ici la faute elle est donnée entre top scorer et la mobilière, la faute de Markel Humphrey sur Michael Forrest, alors que les fans Montezans s'agacent un petit peu de l'arbitrage en tribune. Petit sportif et gentillette. Michael Schoberg, il y a le main à main avec Michael Forrest. C'est très bien joué de la part de Michael Forrest qui est allé chercher le N1. Excellent. Il a été un petit peu trop discret. Alors discret, il est à 14 points encore une fois ce soir. Mais un petit peu trop par rapport à ce qu'il nous avait montré sur les matchs précédents. Monté avait besoin d'une performance XXL. Et ce soir, il y a des garçons qui font des bons matchs. Je pense à lui, à Warren offensivement. Robinson Junior également. Mais ils avaient besoin d'extraordinaire, pas de juste bon. Et ils l'ont été une nouvelle fois ce soir. Ils souffrent en défense. Les Montezans jusqu'au bout vont nous montrer que cette série méritait probablement doivent rendre les armes face à l'armada genoise. Et Michael Williams avec Markel Humphrey. Michael Williams à nouveau, on fait courir le temps même si la messe semble dite du côté des jeunes. Voilà, on prend aucun risque. Noé Anabir qui va jouer au poste était bien défendu, mais le rebond une nouvelle fois offensif de Matt Dentlinger. Et jusqu'au bout, ils vont ranger leur frein là-dessus, les Montezans. Ça pourra être un vrai regret, évidemment qu'il y a une classe d'écart et, entre ces deux formations, mais ça pourrait être un vrai regret. De ne pas avoir été capable dans cette match-up ou cette zone, peu importe ce qu'ils ont proposé, de rivaliser au rebond et de concéder moins de rebonds offensifs à son adversaire. Les Lions de Genève ici avec Brian Colonne pour Michael Williams. Oh, la petite série de dribbles de Michael Williams, c'était magnifique. Il est chaud bouillant, Michael, ce soir. 18e point, si je ne dis pas de bêtises, je suis en train de regarder le tableau de score. Non, c'est 21 pions pour Michael Williams. Dans cette partie-là, lui qui a souffert cette saison, je le disais, ça fait plaisir de le voir dans cet état-là, bien joué. Et quand à un moment donné arrivent les moments comme ça, où il faut jouer des Game 5, où il faut jouer des matchs de play-off très importants, il y a certains garçons qui peuvent répondre à l'appel. Ce soir, c'est Michael Williams qui montre qu'il est de ce tremplin. Boris aussi, je l'ai dit, qui a bien relevé la tête. Ça fait du bien au Lyon de Genève, 24 pions d'avance. Un dernier, non, il en restera encore un petit derrière. Time out, Chris Chugas, qui parle à ses joueurs, qui travaille dans ces moments. Encore une fois, tout à l'heure, je vous disais, il y croit encore, il montre. Peut-être que là aussi, je l'espère pour lui qu'il y croit jusqu'au bout. Mais tu travailles aussi pour voilà, mettre en place une identité. Tu es arrivé en courte saison en prenant le relais d'un Patrick Pembélé. Parti du côté assisté Thibaut Petit du côté de Fribourg Olympique. Forcément t'as repris pas un champ de ruines du tout, mais t'as repris une équipe qui n'était pas non plus dans une santé énorme, qui n'a pas un budget exceptionnel, et tu nous délivres une très belle saison. Donc c'est jusqu'au bout qu'il faut y aller, et si l'écart peut être un peu moins gros entre les deux formations, croyez-moi que ça lui ferait plaisir. Chris Michael Schoberg pour cette remise en jeu difficile. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un coup de sifflet là, au loin du ballon, qu'on n'avait pas dans notre écran.
Faute sifflée contre Markel Humphrey. On n'a pas vu. Faute sifflée contre les Lions de Genève. Et donc balle à nouveau pour Michael Schubert. Cette fois-ci c'est de côté, la remise plus facile. Et Michael Forrest qui va aller mettre en place cette attaque, le sprint porté par Warren Williams. Nate Robinson là-bas à 45 degrés. Est-ce qu'il peut trouver quelque chose sur du jeu à deux notamment? Alors c'est difficile, c'est bien défendu par Matt Dentlinger et on ressort le ballon sans difficulté, mais on le ressort quand même côté Lyon de Genève. La belle passe, c'était de Brian Colon à l'angle 0 pour Michael Williams qui avait trouvé Noé Anabir. Et la faute tout de suite donnée par les Montésans qui va envoyer le joueur genevois sur la ligne, Noé Anabir. On le voit ici sur la prise de position, il a les deux mains. Et il est sanctionné, Michael Schuberg, comme un petit peu trop souvent ce soir sur ce genre de situation. L'ont été les Montésans. Alors que les supporters montésans, ironiquement, quelques supporters montésans qui entonnent le Lion est mort ce soir. Pas encore, 90-64 pour les Lions de Genève qui vont rejoindre Fribourg Olympique en demi-finale de Swiss Basketball League. Le nouvel échec de Warren Williams, Matt Dentlinger au rebond, Markel Humphrey, on se presse pas pour remonter la balle. Michael Williams à nouveau avec Noé Anabir servi au poste sur Schuberg. Ils exploitent beaucoup ce mismatch, les Lions de Genève. Ça va finalement être le main à main avec Brian Colon. La nouvelle petite. Oh, Noé Anabir qui veut pas siffler là-dessus alors qu'il avait levé la main. Mais on laisse jouer côté du corps arbitral. Un shoot ouvert pour Clayton Le San. Ça ne rentre pas pour l'ancien Genevois. Markel Humphrey à nouveau rebond. Et les Lions qui vont se diriger là en Formule 1. On appelle ça ramener la voiture à. Ramener la voiture au stand, voilà, il n'y a plus qu'à pour les Lions de Genève. Noé Anabir avec Michael Williams. L'écran de jeu à deux toujours avec Matt Dentlinger. Oh, Michael Williams, extrêmement dur ce nouveau shoot. Mais que voulez-vous, c'est sa soirée à Michael Williams. Exceptionnel ce soir dans cette rencontre. Il aura répondu présent et même plus que présent. L'arrière américain des Lions de Genève, Clayton Le San bien rentré puis sorti pour Michael Forrest sans réussite au shoot. Brian Colon le rebond. La lutte avec Maxime Rich. On va remonter ce ballon tranquillement. Markel Humphrey qui remet la gourde tout de suite. Il est chaud. On va lui laisser le ballon en main à Michael Williams. Il va aller s'occuper de Maxime Rich ici. Une nouvelle fois, un shoot à 3 points énorme. Un peu long en cercle cette fois-ci. Voilà. Ils ont entendu les Lions de Genève, faute de Brian Colon sur la transition qui va être donnée normale. Remise en jeu donc pour monter. Ils ont exploité jusqu'au bout ce filon un petit peu Michael Williams chaud bouillant sur cette rencontre et sur cette deuxième mi-temps des Lions de Genève. Il rate son ISO juste derrière et c'est un retour sur le banc pour Michael. Markel Humphrey également rappelé. Hakim Sharfi qui va sortir du banc genevois, on ouvre complètement la rotation. Zachary Bikou également il me semble. Et les Lions de Genève qui vont donner du temps de jeu un peu à la jeunesse sur cette fin de match. Face à des Montésans en pleine basse qui vont partir en vacances. D'ici quelques minutes montées au terme d'une saison, une nouvelle fois je le répète, ils n'ont pas du tout à rougir de ce qu'ils ont fait. Clayton Le San pour rendre l'addition un petit peu moins salée ici. C'est chose faite, 92-66. Et Clayton Le San qui quitte également la rencontre. Choupotier qui fait son entrée. Là aussi on ouvre le banc, on a compris hein, définitivement Christian de côté qui fait son entrée, on a compris définitivement du côté des Montésans. Que MS était dite bien entendu. Brian Colon avec Paul Gravet. Philippe Enga qui prend quelques minutes ici aussi. Qui va pas prendre le shoot, qui faire jouer Paul Gravet là-bas, il fait sauter. C'est bien fait pendant le combat, il va aller jouer au poste sur ce petit fadeaway Paul Gravet. Oh, sur la planche complètement. Il n'a pas lui redonner confiance folle. Ballon gratté par Philippe Enga, Paul Gravet à nouveau. Et le ballon rendu. Garbage time un petit peu sur cette fin de match entre Montésans et Genevois. Michael Forrest qui a peut-être essayé d'aller soigner cette attaque. Non, il sort bien le ballon. Potier tout de suite avec Maxime Rech. C'est bien joué, ça fait une énarde sur ce shoot-là malheureusement pour Rech et les Montésans. Et Brian Colon qui remonte le ballon, qui va servir tout de suite du coup à l'intérieur. Offensive fault
offensive foul. Il a tendu le bras. On va le revoir ici. Regardez. Hop. Schlack. Il a extendu le bras sur Maxime Range. Sur le bras de Maxime Range. Faute offensive. Logiquement sifflée. Un peu moins d'une minute trente. Pour Genevois et Montezan, et puis pour les Genevois qui vont se lever dans ce pommier. Ça y est, la salle va se mettre debout pour saluer ces joueurs face à la prestation du soir, qui auront évité le pire, le jeu en triangle des Genevois, des Montezan, pardon, c'est bien fait. Ryan Colon avec Philippe Enga qui va donner cette possession. Le bon screen dans l'axe de Paul Gravé qui est porté. Il préfère se la prendre pour lui. C'est les cadeaux pour les jeunes là sur la fin de match. Il faut prendre des shoots. Paul Gravé, voilà, il le fait de même en donnant ce ballon à Sharpie qui prend lui ses responsabilités et le fait bien. 3 points et il est tout sourire, bien sûr. Et il fait plaisir à toute cette salle. Est-ce qu'ils vont passer la barre des 100, les Lions de Genève? Je suis pas sûr. 95-68, 47 secondes à jouer. Brandon Kouba qui prend un shoot très rapide. Le rebond, il est pour les Montezans, avec Potier qui sort. Maxime Range qui demande un écran de Brandon Kouba ici à 45. Il va ressortir sur Potier. Non, c'est de l'autre côté là-bas. C'est bien sorti. Malheureusement, un petit peu long ce shoot. Est-ce que les Lions de Genève vont jouer cette possession? Il en reste deux dans ce match. Donc il me semble que oui, Philippe Yenga qui va y aller. Perdre à nouveau ce ballon. Non, c'est dans les mains à nouveau des Genevois et de Paul Gravé. Sharpie à nouveau qui va essayer d'aller servir Miliko au poste. C'est raté, mais il a le ballon qui lui rebondit dessus. Et voilà, les deux minots côté Genevois sont allés scorer. Est-ce que côté Montezan on va jouer jusqu'au bout cette possession? Maxime Range qui ne prendra pas ce shoot. Brandon Kouba non plus. Et Brian Colon que vous voyez à l'écran haranguer son public. 97-68. Les Lions de Genève rejoignent donc Fribourg Olympique en demi-finale de Swiss Basketball League en venant à bout de très très valeureux Montezan ici au pommier dans un match 5 où ils auront pris une claque bien sûr face à des jeunes voix retrouvées, notamment offensivement. On les a vus beaucoup plus faire circuler le ballon et c'est justement qui s'impose ce soir. Les salutations entre joueurs avant la classique cérémonie, la remise des prix de MVP et de meilleurs joueurs pour l'équipe perdante. Après ça, on aura un petit clip avec les highlights de cette rencontre qui vous est en train d'être préparée. Une petite publicité et on reviendra ici avant pour se dire au revoir bien sûr, mais pour se dire au revoir avec des joueurs. On aura une interview de chaque côté, un vaincu et un vainqueur, un Montezan et un Genevois. Donc restez bien branchés sur les antennes de Swiss Basketball. On remonte les paniers girafes et on va procéder. Brian Colon, tout sourire, sourire retrouvé pour les Lions de Genève. On se retrouve, il y a une petite page de réclame et on se retrouve d'ici quelques secondes avec la cérémonie de remise des prix. Merci beaucoup. De retour ici au pommier, les fans de Montezan qui ne lâchent pas et qui donnent un petit peu de voix sur cette fin de rencontre. Applaudi par Chris Chougaz et par l'effectif Montezan. Et de l'autre côté, le MVP de cette rencontre, vous le voyez, être rattrapé par tous ses partenaires. Si on peut nous montrer ça à l'écran, c'est Michael Williams qui est élu MVP de cette rencontre après son match énorme à 23 points. 8 sur 15 au shoot, 3 sur 8 du parking, 37% donc à 3 points, une vraie efficacité. De toute manière, côté Genevois, il n'y a pas beaucoup de prestations, peut-être celles timides de Markel Humphrey qui sont à oublier. Il se fait remettre la petite classique bouteille de champagne à côté de la mine des confites de Michael Forrest. À ces moments-là, ils doivent être pas faciles. T'as juste envie d'aller t'enfermer dans le vestiaire. Et Oki Kapetanovic qui remercie le pommier qui a fait quasi sale comble ce soir dans cette rencontre. Noé Nabir qui a appelé également au micro. Très, com-
pensées, coup de cœur des Lions de Genève ce soir, qui va avoir droit à sa petite quille également. La photo officielle. Samedi, Yogi Kapatanovic est en train de l'annoncer à ses supporters. Ils auront rendez-vous à Fribourg pour le match 1 de ces demi-finales. Ça enchaînera le mardi ensuite. De l'autre côté, bien sûr, le Neuchâtel-Massagno. Et dans les mêmes temps. Et puis, les Genevois qui vont se réunir ici. On va vous proposer d'ici quelques secondes les highlights, je vous le disais, de ce match. Et ensuite, on se retrouve pour avoir une petite interview de chaque côté. À tout de suite. On est au retour ici au Pommier avec Thomas Fritschi. Forcément, j'imagine de la déception ce soir, mais je le disais au micro, même s'il y a un écart à constater sur ce Game 5, votre saison finalement, vous l'aviez un petit peu réussi déjà. Il y avait l'envie de gagner évidemment, mais on reste quand même sur une note positive pour les Montezans, vous qui aviez un peu tout reconstruit cet été et qui arrivait à pousser Genève en 5 matchs sur cette série des quarts finales de Swiss Basketball League. On est quand même satisfait d'avoir réussi à leur donner du fil à retordre et puis à se battre avec eux jusqu'au Game 5. Après, c'est clair qu'il y a quand même beaucoup de déceptions de ne pas réussir à aller accrocher la demi-finale parce qu'on s'en sentait capable. Qu'est-ce qui a manqué un petit peu? Forcément, quand on jette un coup d'œil au stats, on se rend bien compte que les rebonds offensifs concédés sont des choses qui font mal. Votre jeu à deux, notamment le set pick and roll dans l'axe, ont un petit peu moins fonctionné que lors du match 4. C'est quoi qui vous a manqué? Même si l'écart ce soir semble abyssal, il y a bien un petit quelque chose où vous vous dites « Ah, sur ça, on aurait pu faire mieux ». Ouais, je pense que sur ce match-là, c'est clairement l'intensité où ils sont venus nous bousculer au rebond, sur les contacts. Ils ont été beaucoup plus physiques que nous et on n'a pas réussi à répondre à ça. Sur les deux matchs précédents à la maison, on avait bien réussi à matcher avec eux. Et c'est vrai que sur ce match-là, ils nous ont marché dessus et ça s'est senti. Merci Thomas. Bonne fin de saison, reposez-vous Merci. Bien les gars. Merci. Et puis à l'année prochaine. Alors on va avoir d'ici quelques minutes, on va vous remontrer des images de joueurs en train de célébrer un petit peu sur les parquets avec les fans notamment qui sont en train de leur demander de nombreux autographes. Et moi je me retrouve encore, je vais aller nous chercher un Genevois parce qu'il nous faut quand même un vainqueur ce soir pour parler à notre micro. Je vous retrouve d'ici une petite minute avec un joueur donc des Lions de Genève. A tout de suite. Avec Polo, ici Paul Gravé,
J'imagine satisfait après ce Game 5 ici au Pommier. On s'était croisé un petit peu après la rencontre, le match 4 du côté du Reposieux. Vous sembliez vouloir trouver forcément des solutions. Ce soir, en tout cas, offensivement, défensivement bien sûr, mais offensivement, là où le bas blessait un petit peu et ce manque d'adresse, on vous a vu dans un tout autre standing. Ouais, c'est vrai qu'après le dernier match, on était un petit peu dépité parce que vraiment, ils nous ont vraiment fait déjouer. Défensivement, on était bien, mais offensivement, on a vraiment énormément galéré. Et voilà, on a mis quelques ajustements en place et les ajustements qu'on a peu de temps parce qu'on a joué 48 heures, on a eu peu de temps pour les travailler. Mais voilà, tout ce qu'on a fait offensivement, tout ce qu'on avait prévu de faire, donc des petits ajustements, pas grand chose, garder les mêmes systèmes mais avec quelques variantes et jouer beaucoup plus dedans parce qu'on avait l'avantage physique surtout en première mi-temps, ça s'est beaucoup vu. Ça a fait la différence et puis voilà, ça nous a permis de prendre de l'avance à la mi-temps, d'être en confiance. On sait qu'à la maison, on est une équipe aussi un peu différente des fois. Monter, on sait que c'est dur de jouer à Monter. Il y a beaucoup d'ambiance, il y a beaucoup de bruit, et puis ils ont fait des bons matchs, donc là, voilà, on est quand même satisfait du match qu'on a fait aujourd'hui. Tu parlais de 48 heures justement pour préparer cette rencontre, ça va être la même chose avant ce Game 1 des demi-finales face à Fribourg Olympique, une formation que tu connais bien. Vous allez vous présenter là-bas en ayant perdu forcément cette finale de Coupe Suisse qui avait été extrêmement intense et défensive. Comment on prépare, comment on switch d'une qualification où c'était un peu embourbé comme ça, tout de suite la meilleure match-up en face, on va dire, du pays. Ouais, on sait que ça va être compliqué. On est vraiment les outsiders plus que tout. Surtout qu'en plus que Fribourg qui domine toute la saison. Ils ont eu une semaine depuis la finale de la Coupe Suisse, ils ont eu le temps de préparer. Donc eux, ça fait maintenant 10 jours, ça fait presque 2 semaines qu'ils préparent à jouer que contre nous en finale de Coupe et en championnat. Enfin, en championnat, peut-être ils espéraient monter, mais ce sera nous. Et nous, on va avoir 48 heures pour préparer, on a un peu de fatigue, on a des joueurs qui ont eu un peu plus de temps de jeu sur les derniers matchs. Je pense à Robert Zinn, qui a beaucoup donné physiquement. Mais je pense que voilà, maintenant on est les outsiders, on n'a plus rien à perdre. On était à pas grand chose de se faire sortir par Montaigne, on va dire. On était à un match. Nous on n'a plus rien à perdre, on n'a pas de pression. Enfin, on a la pression qu'on se met entre nous, mais voilà, personne ne nous voit gagner. Mais nous on sait qu'on peut faire quelque chose parce que Fribourg, les deux derniers matchs qu'on a déjà joué contre eux, on était là les deux derniers matchs. La finale de Coupe de Suisse, ça se voit pas grand chose, des petits détails, des 2-3 choses qui ne tournent pas forcément dans notre sens. Si on arrive à arriver avec un bon game plan, à arriver tous prêts. On sait qu'on peut les embêter et voilà, après il y a un des deux matchs à gagner là-bas pour espérer dans cette série. Clairement, avantage terrain. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis après on sait qu'à la maison on n'est pas facile à prendre non plus. Donc si on peut reprendre l'avantage du terrain, ça va être notre objectif. Merci Paul, rendez-vous samedi donc du côté de Saint-Léonard. Merci beaucoup. Ciao. Et quant à moi, je vous abandonne sur ces belles paroles de Paul Gravet. On se retrouvera dès samedi, je le disais, sur les bords de la Sarine, du côté de Saint-Léonard, pour cette demi-finale entre Fribourg Olympique et les Lions de Genève, qui sont venus à bout des Montezans. À tout bientôt, à samedi donc. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Chère mobilière, j'ai été tellement content de recevoir un rabais de prime que je n'ai pas été le seul à sauter au plafond. Les bonnes nouvelles, ça se vit à fond. Grâce au fonds d'excédent, nous partageons notre succès avec notre clientèle.